Mais oui, t'inquiète pas, tu vas aller voir ton message. Ton chat message, c'est bon. Tout va bien? Eh ben écoute, nous ça va très très bien. C'était moins une. Mais ça va, ça va, ça va. Hein. Ça va très très bien. Ouf. Et sinon, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bon, non, mais continue par commencer. Ben, commence par raconter ta vie. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein, mais bon. C'est le stress. Là. C'est le stress. Ça a été un petit peu là, complicado. Hein. Mais ça va, on est là, donc bonsoir tout le monde, vous retrouvez vos deux streamers préférés, il y a toujours Juju. Et Méliche, re-salut tout le monde. Salut à vous, hein, et salut Foufi, ça fait grave longtemps. Hein. Et salut Cookie, fidèle au poste, merci à toi. Et Tengis, oui, j'espère que t'as répondu au mec sur Discord, parce qu'apparemment il voulait absolument te parler. Il a dit je veux parler à ce gars. Je veux parler à cet homme. Eh bien, écoute... Écoute, hein, il est là. Oh, il va falloir que j'éternue. Vas-y, dans le masque, ça va être sympa. Tu veux les mouchoirs après pour essuyer en off Non, j'ai pas eu. Faut que je regarde la lumière. Il m'énerve. C'est bon, t'as plus envie? Non, j'ai plus envie, voilà. Mais ça gratte le nez maintenant. Passons à autre chose. Et du coup, on vous retrouve pour les scrims du mercredi, organisés du coup par la Caredas. Comme c'est bizarre. Bah oui. Et on rappelle, hein, on rappelle plus que 10 jours avant la fin des inscriptions pour le tournoi. Et oui, c'est ça, hein, on est le 18, c'est et bah c'est ça, 10 jours tout pile. Tout pile 10 jours, donc dépêchez-vous le fion. Il reste 10 jours, vous pouvez modifier votre roster, en ajouter, en supprimer, il n'y a pas de problème. Et petit rappel, hein, ne vous inquiétez pas s'il y a déjà beaucoup de monde, parce que ça sera un logiciel qui fera le tirage au sort des 72 teams qui participeront au tournoi. Donc vous avez toutes vos chances, vous pouvez toujours vous inscrire, il est encore temps. Alors techniquement, c'est pas un logiciel, c'est un bot, et le bot est bot Prana. Oui, non, mais dit comme ça, on dirait que c'est Prana qui est choisi, mais non, pas du non, tout. Non, 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 c'est fait par un site web. Donc oui, c'est vraiment... Mais bon, c'est quand même Prana qui va rentrer toutes les équipes, quoi. Oui, une par une, il va s'amuser. Ah oui, il va être content. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en rajouter un peu de travail à Prana. Mais ça se trouve, il va nous faire « Oh, je peux pas, aujourd'hui, je suis off, je suis malade. » Et salut à toi Johnny et Kaipi, même si Johnny tu dis bonjour pas Juju, mais c'est pas grave, hein. à chaque fois c'est pareil. Non mais moi je m'en vais, c'est bon, vous savez quoi, je vais regarder ma série sur mon plaid tranquillou pilou, hein. Et je m'en vais. Et oui, ça va Floufi, ça va très bien. Ouais, je voulais te répondre, mais moi le problème c'est que dans mon chat, eh ben, je peux pas mettre d'emoji. Oui, il m'a dit du coup tu peux répondre à Floufi parce que moi je peux pas mettre d'emoji. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est chiant, mais parce que je suis sur le ordinateur et le ordinateur il n'y a que les émojis pourris, là. Tiens, regarde, c'est quoi, ça? Ouais, ça, c'est nul à chier. Non, je vais l'envoyer, c'est nul. Il n'y a que les trucs comme ça. Et donc, j'avais pas le choix. Ah bah, oh bah, on a un autre fan de la PB09, hein, Royal Sign. Je sais pas comment ça se prononce. Sin. Royal Sin. Ok. Moi, fan de la... Eh, en fait, on n'a pas commencé. Ah bah non, on n'a pas commencé. Oh là là. Ouh. Non, mais ça ne devrait plus tarder. Je crois qu'on attend les retardataires. Bah, je vois qu'il y a un slot qui est encore libre et un où ils sont que deux. Pas bon, ça. Faut être minimum 3. Et oui, on a failli pas stream ce soir puisque mon téléphone faisait du caca boudin. Oui. Comme quasiment... pas à chaque fois, non, mais fréquemment. Comme fréquemment, et bah, je le redémarre pour le stream, parce que forcément, il faut qu'il soit full performance. Et puis, il redémarre pas. Et ben voilà. Et donc, j'ai été puni. Mais sauf que là, ça a duré quand même longtemps. Hein. Ouais, mais il voulait sa maman. C'est toujours moi qui ai réussi à le rallumer. Mais, ah ouais, non mais grave. Il y a que toi, quoi. Bon, là, j'y croyais plus. Hein. J'avoue qu'au bout d'une heure, j'étais là, non, c'est... Non. Bah, on a envoyé un message. Hein. On a envoyé un message dans le chat pour dire « pas de live ». Et on a renvoyé un message pour dire « ah bah live ». Eh ben ça y est, je crois qu'on est parti, on en a deux dans un slot, bon, c'est pas grave, mais en tout cas c'est bon, on est là, tout le monde est présent. Et non, on en a pas deux dans un slot, hein. Du coup il nous manquera la 10 et la 11, la Sugar Crayfish et la Masiaka. Oh là là, c'est bon, je suis parti, hein. Je vais écorcher des noms encore ce soir. C'est que ça a bugué un petit peu mon affichage. J'avais que deux players alors qu'ils étaient tous là.
Je suis une mauvaise langue. Je raconte des bêtises. Et donc, pour ceux qui nous retrouvent, je sais plus qui c'est qui avait demandé, et bah vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez la liste des teams qui s'affiche. Ça a été remis à la demande générale. Et salut Yaya. Hello, hello, Yaya. Hello, Yaya. Et du coup, ce soir, on était full full, hein. On était parti à 20 teams, ouais, c'est vrai, je me trompe à chaque fois. Du coup, il y en manque deux, on sera pas eu que 18 sur la première, mais en tout cas, je vois que l'avion est en train de partir. Et donc, allons voir tout de suite la ligne de drop. Let's go. Allô, 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 allô. Ouais, non, il va falloir que je me mouche, mais j'essaierai plus tard. J'essaierai plus tard, parce que là, on est occupé un petit peu, là, hein. Alors, ligne de drop, ah bah, elle a enfin changé, parce que semaine dernière, c'était que des lignes de drop à l'est. C'est chiant. Salut à toi, Harley Quinn. On le répète, hein, c'est des scrims, du coup, on a du délai hein, par rapport au chat et à nos réponses, forcément. Donc, ne vous inquiétez pas, si on met du temps à vous répondre, on ne vous oublie pas, on vous voit. Et prochaine Alien, fois, tu coupes ton Alien PUBG, il y a toujours des places pour le tournoi. Et oui, c'est ce qu'on disait, ça sera un tirage au sort hein, des 72 teams participantes. Toutes les inscrits qui respecteront le format d'inscription seront tirés au sort pour sortir les teams qui participeront. Bon, je suis en train de m'embrouiller. Enfin bref, tu peux aller t'inscrire encore. Les places ne sont pas encore données. Et vous avez jusqu'au 28 janvier hein, pour vous inscrire ou modifier vos rosters, finaliser votre inscription pour que tout soit OK. Allez, vite, 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 dépêche, 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 charge. Charge. Pour une fois, allez, pour une fois, je vais prendre un premier fight du côté de Venise. On va aller voir. Oui, et la prochaine fois que je me mouche, il faudra que tu coupes ton micro. J'étais en train de parler, donc mauvais timing. Je fais ce que je veux d'abord. Peut-être que ça a coupé. Moi, j'aime bien éternuer quand il y a le micro d'allumé et tout, tu vois. On partage tout hein, avec vous. Hein. Même le plus désagréable. Bon, je vais essayer de prendre de la hauteur directement. Ouais, désolé, je te coupe un petit peu. Et là, pour une première fois à Venise, on va avoir la Royal Academy. Et forcément, c'était pas là où j'étais ou qu'il y a le First Blood. Hein. Et ça... C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ma vie, exactement. Allez, un petit tour sur Smoker. N'hésite pas à reprendre la main, si tu veux. Non, ça se passait de ce côté-ci, mais c'est en train de back un petit peu. Avec du coup la mercenarie hein, qui a déjà perdu un player. Et en face, c'était la True Terror. True Terror qui est une nouvelle team, hein, je crois. Hein. Non. On a beaucoup de nouvelles teams hein, du coup avec le tournoi, ça a ramené pas mal de monde. Ouais, c'est super intéressant, c'est vachement bien en plus. Ça permet aux autres players de découvrir d'autres gens. Hein. Bon, en tout cas, oh, c'est moi ou il y a du monde derrière? Attention, je me demande si on va pas avoir un petit Lika Boy qui va nous faire un petit... Et oui, ça va être très, très bien joué de la part de Lika Boy. Puis en plus, on va aller confirmer directement MX. Ah, c'est confirmé, MX qui tombe. Hein. Allez, plus que 3... Ouais, vas-y. J'ai raconté des bêtises tout à l'heure, là, 10, ils sont là. Je sais pas, t'as dit qu'il y avait une team qui était absente. Deux. C'est peut-être la 11 et la 12 alors, finalement. Je revérifierai après, mais la 10, ils sont en face, en bas à droite. Tokyo qui tombe. Et oui, le tournoi, c'est en février, la deuxième et troisième semaine de février. C'est sur un petit format. Du 8 au 18, c'est ça, non? Oui, ça doit être ça, je crois. Et c'est sur un petit format. En fait, le... Pourquoi c'est sur un format comme ça? Eh bien, tout simplement parce que on voulait que tous les games soient streamés. Oh là 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 là, Riff, qu'est-ce que t'as pris cher, là? Ça va être la fin, malheureusement. Enfin non, il va rester Sentinel, pardon. Mais oui, c'était petit format pour le tournoi, puisqu'on voulait que tous les lobbies soient streamés. Et comme on est limité à un stream par jour, bah oui, parce qu'on n'a que demain. Enfin, quatre à nous deux, mais c'est pas mal. Bah c'est surtout qu'on n'a qu'un seul personnel, quoi. Mais en tout cas, ouais, deuxième semaine de février, il y a les qualifs. Du coup, il y a quatre groupes de 18 hein, qui joueront chacun un jour. Soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi, soit samedi. Et la semaine suivante, du coup, il y aura les demi-finales le mercredi entre les deux premiers groupes.
le jeudi, les demi-finales entre les deux derniers groupes, et vendredi, samedi, sur deux jours, la finale. Et oui, là, on a tenu compte des remarques. Il y avait des gens qui recommandaient une finale en deux rounds. Bah, c'est ce qu'on a fait. Faut juste pas se viander sur les qualifs et les demi, pour le coup. Après, qualif et demi, c'est... Enfin, qualif, c'est les 9 premiers, hein, donc... De chaque groupe, ouais. Non, ça va, ça laisse quand même assez de place. Puis bon, ben, finalement, ceux qui iront au final n'auront que 4 games à faire hein, pour essayer de choper le cash prize. On rappelle, hein, 600 euros qui sera réparti sur les 16 finalistes. D'ailleurs, même le dernier de, finale, de la finale remportera quand même 10 euros. Attention de bien lire le règlement, par contre. Hein. Bon, du coup, moi, je suis toujours sur la team classique, hein, sur Maikwa, hein, qui se retrouve face à la Sugar Highfish. On pourrait avoir un visu, mais ça reste dangereux. Ah là. Oh, mais quelle arme. Oh là là. Moi, tu me donnes ça, je vais faire rien. Si tu meurs. Mon dieu. Si tu meurs. Oui. Enfin, non, je vous aurais dit une game, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Si j'avais ça dans les mains, c'est comme si j'avais rien. Et merci pour le follow, Nono. Et d'ailleurs, merci à ceux qu'on n'a pas remercié tout à l'heure. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais, alors attends, je l'ai là. Merci à Tayoxo. Merci pour le like aussi, Shiro Kurdi. Thank you for the like, Shiro. Et merci pour le follow, Yo-Yo TL22. Ah bah voilà, c'est toi qui as parlé tout à l'heure. Yaya, pardon. Yaya. Merci hein, pour le follow, c'est vrai que complètement ouais, on n'était pas en live. Et du coup, Mokwa hein, qui a fait du dégât avec ses mates, hein, qui sont en train d'avancer. Ils sont plus que deux, hein, côté team classique, mais pour l'instant, ça a l'air de le faire. Allez, du coup, hein, plus qu'un joueur debout, hein, côté Sugar. Et non, ça sera fini malheureusement pour eux. Finalement, très rapide. Et moi, on est en train de perdre la PB09. Alors, je sais pas, soit la PB09, soit la Extra eSport. J'ai pas vu combien il en restait des deux côtés. Eh ouais, je crois qu'il en reste plus qu'un côté PB09. Ouh là là, il va nous rester VIP. En train de nous faire quoi? Oui, je fais des... Voilà. En fait, t'as tout fait sauf aller en dessous. C'est ça. Bon. Côté PB09 VIP qui va s'en aller. C'était plus qu'un seul joueur. Elle est en bas à droite, un petit trota ensemble côté Cineria et Golden Phoenix. Allez, je te relaisse la main, Mélige, parce que moi, c'est parti, hein, côté Busy Runway. Bon, écoute, finalement, il se passe rien. Hein. C'est juste qu'ils font une rota à proximité. Écoute, ils sont en train de rouler chacun de leur côté. Ouais, ils se suivent, hein. Ils ouais, se ouais, suivent. Ouais, 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 ils se suivent. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas du team-up, là? Non, n'importe quoi. Il y a le scénario qui va finir par s'arrêter et les attendre. Allez, je reprends juste la main sur VIP de la PB09. On a eu un petit dernier kill. Ça peut le faire, hein, parce que je crois qu'on n'est plus qu'un seul aussi côté... Ouais, c'est ça, on n'est plus qu'un... Hein. Côté extra, ça fait du 1v1. Bien. Non, mais rien, oui. Tu n'aimes pas 1v1, oui. Tu n'aimes pas l'image qui est en fond. C'est ce que j'ai bien compris. Non, j'étais pas préparé, t'as encore tout changé. Bah, j'apporte de la nouveauté, j'apporte du détail, du changement. Ouais, enfin, ça a plus le temps d'être nouveau, à force, tu changes ça tous les 15 jours. Allez, moi, en bas à droite, je suis sur Nexo le plus beau. Ah, petit Nexo. Il joue avec notre petit Andrés belge. Ouais, mais là, il est recherché par la police. Oui, parce qu'il a fait un braquage et il a rendu l'argent. Il a eu pitié du vendeur, du commerçant. Non, non, c'est pas lui, on rigole, hein, mais c'est parce que ça nous a fait penser à Andrés, Belgique. C'est pas dur, ouais. Mais Cookie est aussi belge. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'était peut-être Cookie, c'était un duo. Belges qui se sont donné. Faut vraiment être belge hein, quand on sait.
Bah, au moins, ils sont gentils, tu vois. En France, il n'y aurait eu aucun scrupule. Hein, genre alors, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas compris l'anecdote, il y a un braqueur belge qui a braqué un vendeur d'alcool. C'est des faits, c'est passé aux infos à midi, quoi. Oui, il y a un braqueur belge qui a braqué un vendeur, un caviste, et avec une arme, et qui lui a dit « donne-moi ton argent », et le mec lui a donné 110 euros. Bah, tout ce qu'il avait dans sa caisse, quoi. Tout ce qu'il avait, et il a dit « c'est tout ce que t'as ». Il a dit « bah oui, avec la conjoncture, on n'a plus trop de clients ». Et le braqueur a dit « non, ça m'embête, gardez-les ». Oh, bref, et, du coup, il est parti sans rien, quoi. Et puis, c'est barré. Voilà. Et les braqueurs belges. Et même le mec, le pire, c'est que le caviste qui s'est fait braquer, il était là. Même si j'avais eu un petit peu d'argent, je lui aurais filé, quoi. Allez, petit tour sur la Onyxis Sport avec le dernier plineur. Hein, sans... Le dernier plineur. Ouais, le dernier cleaner. C'était prémonitoire, hein, parce qu'il y a un joueur qui vient de s'arrêter à côté de lui, attention. Starode. Ah! Et moi aussi, j'arrive pas à faire des vues correctes aujourd'hui. Aïe, aïe. Toute la team, hein, qui est en train de s'arrêter juste à côté. Hé, hey, Tata Piu, ça faisait longtemps aussi, salut! Et bah tu vois, le cleaner, j'avais raison! Ah, il a pas eu le temps de finir. Hein. Comment tu vas du coup, Tata Piu? Ouais, ça prépare une grue en face, attention. Et oui, c'est la Timeria. Et du coup, qui viennent de terminer hein, cette équipe de la Onyxis Sport. Avec Nexo hein, qui nous a quittés malheureusement. Nexo le plus beau. Ça restera toujours Nexo le plus beau, je crois. Alors, il y a beaucoup de rapprochements côté Karamas aussi. Et salut à toi, Coco. Non, ça va être trop tard. Ça va être trop tard pour prendre l'area sur... ouais. Comme ça, c'est trop tard. Il va falloir s'en aller, Mokoi. Ouh. Allez, je te redonne la main. Oh, la grenade en bas. Elle l'a pas vu arriver. Hein. Oh, dans sa tête. Hein. Et du coup, je suis sur la Unlimited hein, face à la Dash. 2 en 1. Je savais que ça me faisait penser à quelque chose. Je savais plus quoi. Ah, tu fais passer le décive. Mais tu l'as pas entendu, l'histoire, Cookie? Putain, c'est bizarre quand même. C'était sur tous les journaux belges. Surtout, non, mais c'était même en France, surtout. Bah oui, c'était surtout en France. Mais après, moi, j'ai regardé les journaux belges et j'ai vu que c'était un petit peu partout. Et du coup, c'est une... Il va peut-être terminer le player en face. On a un peu de loin. Il y avait du coup de dash qui vient de se faire terminer, malheureusement. Ça a été très très rapide pour eux. Et moi, j'ai Tokyo hein, de la Royal Academy qui nous fait un petit carnage, là. Il se l'arrive très très bien à se défendre. Et je crois que côté So, qui se prononce d'ailleurs à Team So. Ouh là 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 là, Snipe. Snipe qui a failli avoir, eh bien, Kin. Non, pas Kin, que je raconte. Okay. Oh, on se fait prendre dans le bac, on se fait prendre dans le bac par la Dark Souls. Allez, GG, ça de la part de Yann. Allez, la Dark Souls qui finalement va prendre le relais face à la Royal Academy. Est-ce qu'on décide de push, de s'avancer? On sait qu'il y a eu un petit peu de dégâts. Et ouais, on décide de s'avancer. Alors, est-ce qu'ils savent que la RAG a eu le temps de se requinquer? Non, on va juste aller se looter paisiblement. Et oui, ça fait un bail, hein, Coco. Que Jito. Bon, en tout cas, côté Royal Academy, tranquille, ça va, on a pu se requinquer. Oh, toujours ce problème de... J'ai pas... Eh oui, j'ai pas enlevé... J'ai pas décalé ma trousse. En même temps, je peux pas décaler ma trousse, puisqu'on s'est remis à jouer avec Cookie, donc... Si je mets ma trousse complètement en dehors... Bon, on a essayé de jouer, hein. La pauvre, elle était pas aidée. Hein. Oui, oui. Elle nous a carry, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était bien sympa. Ouais. Ouais. Mort de rire, la rêve de meuf qui fait la lessive. On se... Je comprends même pas du dash. Il faut se souvenir, hein.
Allez, hein, la zone qui sera totale nord-est. Alors, ça veut dire quoi, fadé ? À courir partout, je sais pas. À glander, peut-être, non ? Ah non, si elle avait glandé, elle aurait peut-être vu les infos. C'est genre, ça a dû passer sur Facebook et tout machin, quand même. Fadé. Donc, fadé, mot belge, non compris par les Français. Nous attendons donc la définition, s'il te plaît, Cookie. Allez, c'est parti, l'affrontement, je crois bien, hein, si je dis pas de bêtises, entre la Infinity et la Caredas. Alors, est-ce qu'on a eu dit... Ah, on décide de s'en aller à un côté Infinity. Tayo qui va prépare les fumis pour partir en véhicule. Et ce sera, sans grande surprise, une évacuation de la Infinity. Allez, petit tour sur la scénario. Hein. Je vais beaucoup sur eux ce soir, hein, avec la Unlimited qui sont en face, pas très loin. Il est occupé, Coco, avec sa nouvelle équipe. Mais beaucoup de gens, j'ai l'impression, changent d'équipe. Salut à toi, Kaiser. Désolé, je te coupe. Ah, bah salut, Kaiser. Oui, je n'ai pas oublié le Kaiser de la CA, quand même. Cookie, franchement, c'était top. Avec le délai, je sais pas de quoi tu parles, mais c'est top. C'est cool. Ah, mais il est parti, les games. Ah les games, mais oui, les games. Oh, foutu délai, hein. Au départ, elle pensait qu'elle allait se faire harceler. Oh ouais, tu joues avec Juju et Mélish. Non, en fait, on s'était esquivé. On a fait les, fait des customs. Et genre, on était trois dans le slot. Il y a personne qui a voulu venir avec nous, quoi. Et genre, les gens, ils doivent savoir qu'on sait pas jouer, en fait. Ils ont eu peur. Ah oui, complètement. Bah, surtout qu'il y avait des UC en jeu, donc forcément, ils se sont dit oula. On va essayer d'avoir de les bons côté joueurs pour les tuer. Ça fait des points de kill, tu vois. Mais voilà, je suis restée en pyjama la journée devant le jeu. Fadé, c'est ne rien faire, pardon. Ah bah tu vois, j'étais pas du tout dessus. Ah tu vois, je l'avais moi, hein, blindé. Ah, oh là là là, Black Predator qui vient de faire un carnage, mais malheureusement ça ne passera pas, désolé, hein, c'était en bas à droite. J'aurais dû te mettre en plein écran. Ouais non, mais c'était tellement imprévisible. Allez, Ronan qui était tout à l'heure dans le chat là. Et il nous a fait un kill, hein. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu Ronan dans le chat. Il a parlé tout à l'heure juste avant que la game elle commence. Ah, j'ai pas vu. MDR, c'est le mercato. Non, mais grave, non, mais c'est le mercato tout le temps sur PUBG Mobile. Alors, Mélish ne sait pas ce que c'est que le mercato. Voilà, je suis grillé, j'ai fait des yeux, l'air de dire tu parles de quoi là, ça veut dire quoi? Bah, c'est au foot quand t'as une période où. Où les clubs s'échangent des joueurs. Ah. Voilà. Ok. Oui, enfin, ça, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps, finalement. Ah, mais ouais, mais c'est... D'une semaine sur l'autre, il n'y a plus les mêmes personnes dans les teams. Je reprends la main, désolé, hein, parce que là, c'est en train de faire mal. Bobo. Et du coup... oui. Du coup, on retrouve la CA face à la Burger Quiz. Avec ces boucs qui s'avancent tout seul, attention, ça prend des gros de l'autre côté. Avec at X, je ne saurais dire. Il est en train de décaler, hein, qui aurait pu faire du mal à Phoenix, qui s'est fait trouver, il restera que c'est vous. Non, pour essayer de sauver l'honneur, allez c'est vous, qu'est-ce que tu fais? Il monte sur le... Allez, c'est le moment, c'est vous. Et non, malheureusement, ça ne passera pas pour la CA, donc on voit la Burger Quiz. Et c'était Alex, A-L-E-X. Ouais, non, mais moi, ça me perturbe des signes bizarres. Oh, joli, ça de la part de... Alors, je vais la prononcer comme toi, Al-3-X. 167, s'il te plaît. Allez, Alex qui vient trouver un premier joueur. Non, mais c'est facile de se moquer de moi, voilà. Hein. Situation compliquée là pour la Royal Academy, il va rester que Tokyo. Tokyo, faut tout de suite relever l'Ikaboy.
Ça passe. Alors j'espère, je voyais que Alex, justement, de la Burger Quiz avait une petite ligne peut-être. Donc ce soit un petit peu trop loin. Donc c'est bon, on a pu se remettre un petit peu une santé côté Royal Academy. Brozen, je vois que Brozen de la DKS qui vient de tomber, on a chu en véhicule. C'est pas cool. Du coup, moi je suis sur le dernier joueur hein, de la Infinity qui vient de se mettre dans la nouvelle zone. Enfin, la nouvelle. Encore qu'il arrive jusqu'à la prochaine. Ouais. Un petit décalage, quoi. En même temps, je crois que tout est pris. Il faudrait prendre par le nord-est. Faudrait prendre vraiment par le nord-est, mais... Allez, on va se mettre sur la Golden Phoenix. La Golden Phoenix qui est bordure de zone. Mais je crains que la nouvelle ne soit pas sur... J'ai pas envie de prendre les paris, mais... À mon avis, la nouvelle zone sera pas du tout sur eux. Ce sera plus sur une zone est. Allez, cinquième phase, hein, 9 équipes restantes. Burger Quiz, toujours en vie, hein, toujours 2 players. On va avoir Liliane et Alex. Je vois que ça pleure le décès de Kaipi dans le chat. Mais il a tellement de fans, Kaipi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Lilian, ça passe pour Lilian quand même. Heureusement que le buggy était assez rapide. Et on y retourne, hein, on y retourne pour Lilian. La roue arrière forcément du buggy qui a explosé, c'est un peu plus compliqué là. On est obligé de continuer à Patoun. Allez hop, c'est parti, on prend le collègue, on prend le coéquipier, on repart pour la Burger Quiz. Allez, la rota de la Burger Quiz juste à côté de la Cineria. Mais non, pas de la Cineria, si de la Cineria. Et en bas à droite, on vient de perdre la Infinity. Ouais, Alex qui sera mouru. Oh non, Alex qui est mouru. C'est fini pour la Burger Quiz, malheureusement, qui nous quitte en 8e, hein, je crois, 8e position. Là, ça devient un petit peu le bazar, hein, je crois. Un ch'touille, ouais. J'essaie de prendre une vidéo. Oh là 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 là, le carnage de Alex. Allez, 5 teams, 15 players. Il m'en manque une de team, je sais pas où elle est. Eh ben, il te manque la PB09, le dernier player, je crois, de la PB09, VIP. Écoute, je sais pas. En tout cas, je suis pas en zone. Il va falloir que ça s'avance un petit peu. Je viens de voir qu'il y a un joueur de la DKS hein, en haut à gauche qui est en train de contourner. Oh, les cowboys qui ferment un massacre. On a trouvé 2 players, la Golden Phoenix. Il va rester que Antares qui va être le dernier survivor. Et on se fait push hein, par les 2 players de la Royal Academy. On a été repéré par les cowboys et on va être terminé par Tokyo. C'est la fin de la Golden Phoenix en 5e position. Du côté DKS, on est toujours 4. Hein. Toujours 4 côté DKS. Oh, Fulkov qui a été repéré bien par la DKS aussi, qui, avec leur surnombre. Là. J'ai vu Yann très rapidement qui est passé sur son pistolet, sur son Colt. Alors, je ne sais pas si à cette distance ça peut servir, mais... Et Yann qui sera trouvé par les cowboys, oh là 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 là. Je pense qu'on a plus de utilities hein, côté Royal Academy parce qu'une petite grenade dans le... On vient de les perdre malheureusement. Finalement, ce sera le DBS de Mirka qui fera la diff.
Allez, trois équipes, 9 players. Alors, est-ce que tu te souviens comment ça se prononce, mémé, hein, de la décaisse? Mémé, on a fait la remarque. Je crois que c'est cœur, mémé et cœur. Ah, c'est ça? Bon. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Allez, du coup, hein, la poutine qui est en train d'essayer de descendre en zone. La décaisse qui va devoir s'avancer. Ça y est, on décale un petit peu pour la... Oh, Mirka qui vient de trouver un premier player, qui va peut-être en trouver un deuxième avec son buggy, non. C'est marrant, on ne prend pas de shot. On prend pas de shot côté Mirka. Oh là 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 là, le drop shot. Le drop shot qui ne confirmera pas malheureusement. Et on perd, eh bien, la Poutine eSport en troisième position. Bon top 3 quand même, hein, pour la top... pour la poutine, mais léger avantage là, j'ai envie de dire, sur la... Oh là là, sur la... la Cineria. Et ça se montre, hein, Ronan qui nous fait des petits shots à la carte. Je suis désolé, Ronan, j'étais pas sur ta cam. Ouais. Ah, faut pas en trop en montrer d'un coup, hein, pour Ronan. Mais il nous fait toujours des shots à la carte de loin, quoi. Oh, puis la décale qui va nous faire. Ah, Camille, Camille, je lui donne ta chair de ta peau. Ça y est, Camille qui tombe, il va rester que Yann. Yann qui va être tout seul face à trois players de la DTS, de la Cineria, pardon. Et c'est terminé. J'ai pris une vue un peu bizarre en fin de game, hein. Désolé, il y avait un arbre, ça m'a perturbé. Alors, Tata Piu Abbé, t'es mort. Qui est mort? T'as Lyon. Ça fait un moment. Ah bon? T'as pas suivi? Non, j'ai pas suivi, non. Fratricide de Ronan. Exactement, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi il jouait avec la Cineria. Mais vrai fratricide, là. Mais pas habitué à ce qu'il joue pas avec la DKS. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, comme tu disais, c'est le mercato, quoi. C'est le mercato de PUBG Mobile, quoi. Donc bon, bah, ce sera un top 1 de la Cineria, hein, avec 15 kills. Voilà, voilà, voilà. Gros, gros travail de la part de Alex. 9 kills pour Alex. Il y a de fortes chances qu'il soit MVP. On verra ça tout de suite dans quelques instants. En deuxième position, on va avoir la DKS qui fait un top 2 parce que Ronan n'est pas avec eux, je pense. C'est pour ça. Ça doit être pour ça. Ouais, mais Ronan, il est meilleur quand il n'est pas avec eux, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Il a trouvé sa voix. Et 3 kills, hein, de la part de Yann, gros player de la DKS. Et en troisième position, eh bien, ce sera la Poutine eSport avec 3 kills. Du côté des meilleurs players, eh bien, évidemment, c'est Alex, hein, de la Cineria qui sera MVP, attaqué avec 9 kills. On va avoir Alex de la Burger Quiz, fidèle compagnon avec 4 réanimations. Et enfin, Yamordom de la Cineria sera le Terminator. Donc, GG à tout le monde. Et du coup, on va se faire 5 petites minutes de pause, ouais. Et on va essayer de vous retrouver avec les résultats intergame cette fois-ci. Oui, normalement, le problème est réglé, on croise les doigts. Oui. On n'a pas eu le temps de tester une live, du coup. Ils m'ont pas testé, ils m'ont pas laissé tester. Ils me laissent jamais tester, de toute façon. Le pauvre malheureux. Oui. Allez, du coup, deuxième game à venir sur Miramar. On vous dit à dans 5 minutes. C'est ça, à tout de suite.
T'es pas prête. Ah, j'étais pas prêt non plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis, c'est bon, t'es prête? Complètement. Là, je tourne la tête. Ouh, c'est nous. C'était... Oui, voilà, coucou, c'est nous. Ouais, non, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que j'ai appuyé deux fois. Ouais, c'est spé. En tout cas, on est re-là. Et donc, bonsoir à tous. Hein. J'en profite pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, hein, évidemment, à follow, que vous soyez sur Twitch, YouTube. Et depuis le temps que je dis que je dois mettre Facebook. Bon, ça doit faire un an, peut-être. Non, mais t'as préféré changer un fond qui avait deux mois. J'ai... Bah non, 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 le fond, il avait plus longtemps. Ouais. Mais oui. Ouais. Bon, en tout cas, ça refonctionne. Et donc, allons voir tout de suite le live ranking. Ouais, c'est marrant, là, ça marchait. Eh bien, c'est un top 1 pour le moment de la Cineria. Avec 30 points, 15 points de kill, 15 points de placement et un chicken dinner. Hein. En deuxième position, on va avoir la Royal Academy avec 21 points, 13 kills, hein, beaucoup de points de kill. Et ouais, ils ont fini techniquement, ils ont eu top 4, hein, Royal Academy. Mais avec le nombre de kills, eh bien, on a pris la deuxième position. Et en troisième, eh bien, ce sera la DKS, la Dark Souls, ex-Renan, avec 15 points. Je précise, allez, quatrième position, la Poutine eSport avec 13 points. Et en cinquième position, une nouvelle team, hein, la True Terror. J'ai pas fait attention à eux, je suis pas allé les voir beaucoup. Mais la True Terror, nouvelle team, eh bien, cinquième position pour le moment, avec 8 points au total. Hein, 4 points de placement, 4 points de kill. C'est pas mal, GG à eux. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais, Mélich? Rien. Et Ronan. Ronan, et oui. Alors, je suis désolé, j'ai pas vu ton knock à la car et j'ai pas vu tes 3 kills en fait. Si, j'ai vu. J'ai dû en voir un ou deux, mais je les ai pas. J'ai pas tout vu. Et j'étais pas sur ta cam quand t'as fait ton shot à la car. Je suis désolé. Et hello, Bobo. Bobok. Hello, Bobok. Oh, c'était mieux, Bobo. Bah, y a un cas. Hello, Bobok. Voilà. Hello, Bobo Cash. Oh là là. On a vu ma balle de snipe pour les clips du début. Ah bah. Attends. Une question j'ai... ou pas? J'étais pas mal sur la scénaria, mais j'ai pas fait attention à ce que j'ai stream en fait. Non, mais je pense qu'il parle des clips du début et je crois que. Je crois qu'il parle des highlights. Et donc, c'est possible qu'il ait vu sa balle de snipe, puisque je l'ai mise, mais en fait, il n'est pas en première personne, je crois. Il n'est pas en première personne. Mais je ferai plus attention à toi, t'inquiète. Hein. Mais par contre, t'as rompu ton contrat, puisque ton contrat, c'était un kill par an. Ça, hein. Non, un kill tous les 4 ans. Un kill tous les 4 ans. Et oui, t'as pris... là, t'as fait 12 ans d'un coup. 12 ans en avance. Un peu chaud, là. Tombe bien, c'est quoi ce fratricide avec la DKS? Tu es un traître, mais faut pas le dire. Ah bah, tout le monde a vu que t'étais un traître sur ce coup-là. Alors, vite, écris dans le chat pour faire passer ton message. Voilà, c'est ça. Dit, alors, ouais. Non, mais ils avaient peut-être besoin d'un sub. Voilà. Faut dire ça comme ça. Puis c'est le mercato. Comme dirait Tata Piu. Ah, mais je vois qu'ils sont partis sur l'île de pré-match. J'ai du mal ce soir, moi. Bon, et alors, juste comment ça se passe avec la Cineria? Pas trop chiant? Ah, le manager, c'est un con, hein. Ouais. Puis il est recherché par la police. C'était là, Andrés. Faut pas voir les kills que je finis comme une personne de petite race. Oh, il fait du kill steal. Oh là 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 là. Bon, ça arrive. Alors, ce coup-ci, il va nous manquer la 12 et la 15. Du coup, la Hustle eSport et la Extra eSport. Ah, c'est bizarre, Hustle eSport, parce qu'ils ont dû avoir un souci. J'ai vu qu'il y en a qui étaient deux hein, par slot, je rappelle. Hein, c'est minimum 3 pour partir et 2 team tags obligatoires. Oui. Sinon, vous êtes kick de la room. Et pour le tournoi, c'est 3 team tags et 3 players. Minimum, ouais. Oui, minimum. Par slot. Pas maximum. Eh ben en tout cas, on est parti, hein, let's go. Allons voir tout de suite la ligne de drop sur Miramar. Ah bah, t'étais pas prête. Mais je suis prête, regarde. Oui, maintenant, t'es prête.
Alors. Moi, j'aime bien ce petit fond, là. Oui, bah, profitez-en, hein, ça sera bientôt plus le même. Si, j'aime bien ce petit fond. Tu vois, ça encore fait... se réveiller un matin en disant, faut que je change le fond. Ça fait des petites lumières par-ci, par-là, par moment, c'est sympa. J'aime bien. Ça attire l'attention, tu vois. Non, t'aimes pas? Ouais, ça attire pas l'attention sur tout le monde, hein. Du coup, ça focalise là où il y a les petits carrés qui apparaissent, tu vois. Mercenary, Dark Soul, Masiaka. Masiaka, je suis pas allé les voir, moi. Je crois qu'ils étaient pas là la première game. Ah, c'est pour ça. Et donc maintenant, ils sont là. Bah écoute, 12 et 15, je crois que j'ai dit qu'ils étaient pas là, hein, ce coup-ci. Oui. En tout cas, la ligne de drop qui est pas à l'avantage des caméras, parce que il va y avoir, je pense, beaucoup de fights. Hein. Beaucoup d'early fights. Alors j'attends un petit peu avant de choisir un lieu de spawn. J'ai peut-être envie de prendre côté ouest, mais je crois qu'on va aller plus se caler Minas Tumacera, Minas del Valle, où justement on va avoir eh bien, un premier clash, je crois, entre la Onyx. Mais tu disais que la 16... Ah non, c'est la X-Tray Sport que t'as dit qui n'était pas là. 12, my 15. Bad, my bad, my bad. Mais juste qu'elle faut que je le dise, hein, mais tout va bien de manière... Oui. Tout le monde est au courant, tu ne m'écoutes pas quand je pars. Alors, je crois que je vais prendre le côté Katex. Je ne sais pas trop où me mettre, là. Je vois que... Ouais, plus Tito. Tito de la Golden Phoenix. Qui, malheureusement, est en difficulté, là. Toi aussi, je crois que t'as Tengist qui est en... Tengist, hein, ouais. Qui se retrouve tout seul face à la petite Nesport en bas à droite. Oh là là, c'était bien joué de la part de Tito. Et ouais. On a déclenché l'alarme parce qu'on a tiré sur le distributeur de canettes. Oh, heureusement, Tito qui vient de trouver le Uzi. Ça peut faire la diff, hein, dans un bat sur Miramar. Oh, malheureusement, on est en train de se faire push sévère là pour Tito. Ça va être très compliqué de tenir les trois là, les trois qui montent. Oh, dommage de la part de Tito. Mais c'était vraiment ingérable. C'était infaisable. Je crois Golden Phoenix, eh bien, on va peut-être laisser la place, vu qu'on a perdu un player déjà. Hein. Du coup, de mon côté, c'est isolé aussi. Hein, la Unlimited, hein, qui a trouvé un joueur de la Sugar Crayfish. Ah, donc, tu te souviens, Sugar... oui, c'est ce pour qui t'as confirmé. Exact. Oui, non, mais je ne maîtrise pas encore le nouveau bot sur le Discord. Du coup, j'ai fait des bêtises. Mais en fait, c'était pas une bêtise, ça va. J'ai rattrapé ma connerie. En fait, t'as pas fait de connerie, en fait. Non, mais j'ai touché un truc que j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Ah, il a confirmé, ok. Ouais, c'est bon. Allez, je vais me caler, je crois. C'est Rockies, hein. Rockies qui a une petite vue sur Trafalgar de la Mercenaries. Et pas très très loin, on a également... Alors, ça va être compliqué. Guy Vulis, oh, qui pourrait avoir un Nog sur Trafalgar. C'est dommage de ne pas le tenter, là. Allez. Ouais, GG, ça. Trafalgar, malheureusement, de la Mercenaries qui tombe. Premier kill, hein, pour la True Terror. Moi qui disais juste à l'instant que j'étais pas allé les voir. Voilà, c'est chose faite. En même temps, tu m'as dit que j'étais pas allé les voir parce qu'ils n'étaient pas là. C'est ça. Oui, vas-y, continue ton monologue, y a pas de souci. Bon, par contre, côté Mercenaries, on n'a pas apprécié la mort de Trafalgar. Et donc, on se fait comprendre auprès de la True Terror. C'est un petit peu loin. Hein. Ouais, César qui peut, sur le Winchester. Winchester, à cette distance-là, ça fait quand même pas beaucoup de dégâts. Hein. Puis il y a surtout beaucoup de bullet drop. Hein. Difficile. Ouais, le bullet drop sur cette arme. Oh, GG, quand même. On a réussi à faire un peu de dégâts. Hein. Je vais peut-être te relaisser la main, parce que je vois que côté Onyx, on a beaucoup de fight. Ah non, de mon côté, c'est calme. Hein. C'est de loin. Du coup, entre la dash et la putine. Du coup, est-ce qu'ils vont back ou est-ce qu'ils vont push? J'ai l'impression que non, ça va back. Ah bah, je suis arrivé un tout petit
peu trop tard, mais on a perdu la Golden Phoenix. On vient de perdre la Golden Phoenix face à la Onyx. De mon côté, ouais, c'est toujours en train de back plus ou moins. En tout cas, ça essaye. Allez, Silent, hein, sur qui t'étais tout à l'heure. T'es pas très très loin, eh bien, de la Unlimited. Oh là là, en plus, on se fait backstab pour l'IMO de la Sugar et qui va tomber du côté de la Sugar Crayfish. Il va nous rester qu'un seul player, hein, côté Sugar. Je crois qu'on n'est pas très très bien loot. Hein. On n'a même pas de sac. Ah là là, c'est dommage ça. On pourra probablement pas reprendre l'area sur l'IMO. Oh, si ça peut passer, je reviens pas que ça passe. On est vraiment à poil hein, côté Sugar. Quand ça passe, ça laisse un petit peu de répit. On a d'autres routes qui peuvent faire l'affaire peut-être de l'IMO. Non, on décide de rester quand même côté Unlimited. Donc je te relaisse la main, Mélish. Encore de loin, du coup, la mercenary face à la True Terror. Je suis désolé, j'ai repris la main. On est la SO qui est face à la Caredas. Et la Caredas qui est un petit peu bloquée là. Ce serait pas le moment pour la SO de push. Je vois que Snipe. Oh, Snipe qui va peut-être décider de prendre un autre angle. Oh, c'est tellement bien joué ça de la part de la SO. On va essayer de les backstab complètement. On va peut-être aller un peu loin quand même. Bon, finalement, ça tire toujours hein, côté Caredas. Et pour ceux qui se posent la question, KP est toujours en vie. Hein. Vous inquiétez pas. Bon, côté Impulse, je crois qu'on temporise un petit peu. Hein. Ouais, on était peut-être déco. Parti s'hydrater. Allez, je reprends la main du côté True Terror hein, avec la mercenarie toujours. Il vient de perdre un player du coup. J'avais pas vu, ouais, il y avait toujours le bug trousse. C'est de loin. Malheureusement, la mercenarie est en train de prendre du dégât dans le bleu plus des balles. César a réussi à back. On pousse de loin hein, ce soir les fights. Hein. Bah c'est Miramar hein, en même temps. On va faire du close combat sur Miramar. Oh là là, Aria qui prend cher. Et oui, oui, son mate a réussi à partir en arrière, mais pas elle, enfin, il ou elle, je ne sais point. Aria, je sais pas. C'est pas le moment de montrer ta tête, et oui. J'ai l'impression qu'ils viennent d'éliminer. Ouais, ouais, ils ont éliminé toute l'équipe de la mercenarie, hein. Du coup, ils ont trouvé César aussi. Je suis toujours sur la Caredas face à la SO. Hein. Pourquoi Harley Quinn qui nous fait MDR ? Qu'est-ce qu'on a raconté comme connerie ? J'ai rien dit. J'ai dit une bêtise. Il t'a dit que Kaipi était toujours en vie, je pense. Ah, c'était ça.
C'est vrai. Bon, bah, en fait, si, j'ai dit une connerie. Donc, il est mort ? Non, 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 non. Il est toujours là. Bon, on a des fans de KIP, alors. Informe les fans, quoi. D'ailleurs, il est là. Coucou, KIP. KIP, c'est comme Clo-Clo, il a des Claudettes, il a des... Ah ouais, non, mais... Caipettes. 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 Bon, allez, je vais changer de fight parce que ça devient un petit peu... Tu t'ennuies ? Oui, complètement. J'ai bien changé. Moi, ouais, c'est temporisant. Du coup, avec Camille, hein, qui est notre sourd dessus. Un peu, je vais prendre une vue de loin parce que... Je sais pas en train de contourner sur les hauteurs. Voilà, la DKS qui prend cher, qui prend cher, qui prend cher face à cette équipe de l'Infinity. Moi, j'ai la Cineria qui prend cher. En bas à droite, face à la Burger Quiz. Nexo qui est tombé, hein. Nexo le plus beau. Caisse, hein, qui n'est pas son dernier mot, hein. Finalement, c'est compliqué des deux côtés. Hein. Bah, rien n'est joué. En bas à droite, ce sera la fin de la Burger Quiz. Face à la Cineria. Hein. Ça, c'était pas cool parce que vous maintenez l'avance de la Cineria. Allez, Camille, te brûle pas les ailes. Ah, malheureusement, il restera. Ah non, Yann est encore debout aussi. Mais Mémé, hein, qui essaie de contourner, qui va arriver sur... Ah, ils sont deux en face. Yann, tout repose sur toi. Dernier player de la DKS. Non, il reste Ronan de la... avec la Cineria. Bah, la BQ, ils viennent de mourir. Ah oui, le délire. Tu l'as ouais. Peut-être pas encore vu, mais voilà. La Burger Quiz vient de mourir contre la Cineria. Et salut à toi, Lilian. Hein. Je crois qu'on t'a pas salué tout à l'heure. Et j'ai vu que c'était ton premier message sur le chat à la fin oui, de la game. C'est vrai. À la fin de salut, la première Lilian. Game. Et du coup, Yann hein, qui a complètement contourné. Je pense que ouais, c'est pour Bac. Il est parti chercher un véhicule. Il va essayer de sauver les points de classement pour le reste de sa team. Allez, je vais prendre côté team classique avec notre Tengiz. Oh bah, Tengiz qui est mouru, bah oui, c'est vrai. J'étais sur sa cam. C'est oui. Le premier que j'ai vu mourir, malheureusement. First Blood de Mélish, désolé. Donc il pourrait se concentrer sur le chat, normalement. Non ? Tengiz, es-tu là ? Non, il doit regarder ses mecs jouer, ils sont encore vivants. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou peut-être aller faire un tour côté PB09. J'ai pas vu, mais... Tout erreur, ouais. Et ouais, j'hésite. Je crois que c'est VIP qui a fait un premier knock. Hein. C'est ça, c'est la tout erreur face à la PB09. On décide un petit peu d'encercler cette équipe de la True Terror. On va au moins essayer de prendre de la hauteur. Oh là là, c'est dommage, on est passé juste à côté du player de la TT. On l'a pas tenté. Hein. On l'a pas tenté, on a préféré aller sloot. Et le problème, c'est qu'on va peut-être perdre les trois véhicules là. Dans cette attaque. Allez, le buggy qui vient d'être terminé. La Mirado verte aussi. Il reste peut-être la Mirado rouge. Alors, il y a Mordom qui vient d'être knock hein, tout seul. Faut que tu te sortes et que tu reviennes. Tu casses hier ? Parce que t'as la trousse qui est toujours activée. Bah non,
Où ça part? Bah oui, parce qu'il vient de faire une réa. Ah, j'étais pas du tout dans ça, j'étais en train de lire le chat avec merci Mélish de suivre. Allez. Et oui, du coup, tu vois, c'était pour qualité. Et Lilian, oui, merci, très atypique les masques pour l'anonymat. Écoute, merci. On veut pas être célèbre. Ouais, voilà. Ça comme ça, bien. Demain, si on veut arrêter de stream, quelqu'un peut prendre notre place et ils ont juste à mettre nos masques. Et salut à toi, Andrés. Tu viens regarder la traîtrise de ton player Ronan. Au passage, a fait une belle game en première game avec la Cineria. Allez, du coup, la Royal Academy hein, qui est en train d'entamer sa décale. Alors, on me fait signe dans l'oreillette qu'il faut vite que je trouve quelque chose. On te fait des signes dans l'oreille, toi? Attends, je vais te foutre mon petit doigt dans l'oreille. Hi. Oula, ça se complique, là. Ah oui, bon, en fait, t'es juste reparti sur la même team que moi, quoi. Ah, t'étais là? Bah zut. Non, mais c'est pas grave. Et puis, en plus, je vois Nexo, le plus beau, qui nous refait encore un... Qui nous refait un truc, comment il... Ah non, c'est du délai, il vient de... Il a juste... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce lag là? C'est bon, on revient. 36 MS, comment ça se fait que j'ai 36 MS moi? Oh là là, le full là de la part de la team classique. On va trouver, oh là là, là là, je suis désolé Andrés, on vient de trouver Ronan, on vient de trouver Nexo. Et on va confirmer, évidemment, ça y est, Ronan qui vient de tomber peut-être autour de l'ASO. Ou même, j'ai envie de dire, autour de la Onyx, hein, parce que la Onyx qui va prendre exactement le même spot. Ah, c'est peut-être pas le bon plan là pour la Onyx. Il va rester deux players, hein, côté Cineria. Ce sera peut-être pas le top. Hein. Ah, oh là là, il y a Mordom qui vient de tomber à son tour. À chaque fois, j'ai envie de dire, il n'y a pas Mordom. La ligne de Tokyo. Alors là, on s'y attendait même pas. Ça c'est bien, ça va laisser un petit peu de répit à la Cineria. Allez, peut-être le full sur Your Mind. In Your Mind qui va peut-être... Mais non, ça passe, on est 50 HP. Hein. Ils ont fait quoi la first, je viens de rentrer, ils ont fait top 1 avec 15 kills, donc 30 points au total. Ah, et on vient de perdre la DKS en bas à droite. C'est bon Andrés, du coup tu peux retourner au taf. Il joue très bien sans toi. C'est ça. Bon, à part celle-là, là, apparemment, ça se complique un peu. Non, ça va, on a pu prendre la réa hein, sur Yamordom. Ouais, mais on n'a pas pu réa Ronan. Non, ni Nexo. Ouais, oh. Nexo qui est mouru en véhicule. Et Ronan aussi, en fait. Hein. J'ai pas eu le temps de voir Nexo le plus beau mourir. C'était rapide, hein. Il est mort comme un homme. Il a pas souffert. Bon, il a quand même été fini par une balle de M24, mais... Désolé, j'ai découvert qu'on pouvait tuer des gens sur le jeu. Énorme. Oh là, c'est quoi cette rota là de la PBZion Line? Ouais, compliqué, hein, le véhicule était à la limite d'exploser. Et ils ont vraiment pas pris une bonne pause, hein, juste en face, la dash. Sur la montagne derrière eux, il y a du monde aussi. À cheval ou pas? Non. Non, pas à cheval. Non. Il n'y a pas encore de chevaux sur le jeu. Oh, c'est... T'imagines, c'est trop beau, comme dans Zelda. Heureusement, désolé, j'ai découvert qu'on pouvait tuer des gens sur le jeu. Je vais devoir rompre le contrat. Bah, c'était le contrat des... Un kill tous les 4 ans. Bah oui. Et du coup, t'as trouvé le bouton tirer. Grand et méchant, mais en fait, heureusement qu'il est là avec son snipe quand même, Ronan. Et Harley qui dit, moi aussi pour Yamordom, à chaque fois je bloque sur son pseudo. Mais ouais, je suis là en train de me dire, c'est Yamordom. Mais si, c'est Yamordom. Oula, attends, je suis parti où là? Je suis dans la montagne. Que je reprenne là. Non, c'est bon. Ouais, non, j'étais carrément rentré dans la montagne. Hein. Du coup, 3-8. Hein.
la Poutine et la Dash hein, qui sont en train de se rapprocher dangereusement, ce qui laisse peut-être un peu de temps à la PB Zero Night hein, pour se repositionner tranquillou. Ah, 3-8, Poutine et Dash, je croyais que tu parlais des horaires. J'ai jamais fait les 3-8. Je suis en télétravail, pourquoi je parlerais de mes horaires? Je sais pas, tu dis 3-8. Non, d'habitude, je le dis dans ma tête, c'est pour retenir. Et là, je me suis dépêché. Alors, 22, 11, 16, 7. Ok, 22, 11, 16, 7. Moi, en bas à droite. Non, après, tu regardes la liste et tu vois qui c'est, tu vois. Elle est du coup pas mal de monde hein, de ce côté-ci. Je fais une petite vidéo. Et merci pour le like, Napsix. Nampiona. Nampionona. Thank you for the like. Oh, j'ai du mal avec les pseudos. Ouais. Ah, mais il y avait aussi la True Terror hein, qui était pas très loin. Mais là, t'as quasiment tout le monde, en fait. Bah écoute, j'ai un petit regroupement, hein. 1, 2, 3, 4, 5 teams. Bah, je vais prendre Belikov. Belikov qui tag tout le monde dans le chat Discord. Qui, pour être sûr qu'on d'être entendu. Bah, Belikov, on va te regarder. T'as intérêt de faire d'envoyer du spectacle, là. Et du coup, la PB, hein, qui est en train de se rapprocher de la Dash. Bah, je suis sur Belikov, là, qui est face à Joji de la... De la Dash. Oh là 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 là. Qui vient de se faire trouver côté montagne. Oh là là, il y a du dégât partout. Je pense qu'il n'y en a aucun qui va s'en sortir avec la zone qui est en train de les pousser. Ça va être très très compliqué. Ben hein. Ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont rien. Peut-être VIP qui pourrait monter. Il va être trouvé. Ah là 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 là, on va être trouvé, je crois. Ils sont attendus. Hein. C'est dangereux hein, de. Ouais, ouais, la PB, ça va être très compliqué. C'est dangereux de jouer hors zone comme ça. Et il y a Mordom qui sera trouvé, il va rester que Alex hein, côté Cineria, parce que là, je pense que l'area sur Y'a Mordom pourra pas être prise. Et ouais, surtout qu'on est en train de pêcher côté Royal Academy. On le sait, hein, qu'ils sont plus que deux. Enfin, maintenant, plus qu'un côté Cineria. Et ouais, on est obligé d'abandonner, malheureusement, Y'a Mordom. Non, on ne l'abandonne pas. On ne l'abandonne pas. Est-ce qu'on va y arriver? Puisque ça fait quand même deux fois peut-être qu'on est knock. Hein. Côté Y'a Mordom. Oh, le petit trou, l'area. Oh, c'était moins une. Moins une, ça passe. Malheureusement, c'est passé aussi hein, côté Royal Academy. Je sais pas quand on dit malheureusement comment tu prends le parti d'une team alors que t'as rien contre eux. Non, j'ai strictement rien. C'est malheureusement. Ils sont passés. Et, ma vue sera pas terrible, hein, mais bon. Ah, c'est pas mal. Oh non, je vois tout le monde là. C'est bien. Nickel. Il manque une team. Parce qu'il reste 6 teams, 16 players. Et ouais, malheureusement, pour la Cineria, on avait encore la Unlimited hein, qui était tout au loin en fait. Qui est, et je crois qu'on perd la Cineria là. Non, c'est en bas. Non, non, il reste Y'a Mordom. Y'a Mordom encore qui est dans son petit trou, hein, toujours. Et la rota de la Unlimited qui est très compliquée. La Royal Academy qui est en train de descendre de la team classique qui est ceux qui vont arriver dans leur pack. Attention. Et c'est terminé pour la United. Et du coup, c'est terminé aussi pour la Cineria hein, parce que je vois qu'il n'y a plus que 3 équipes en vie et ils n'en font pas partie. Et c'est encore bon pour la Royal Academy. Hein. Et Osiris hein, qui est knock. Est-ce que Boy va pouvoir faire quelque chose? Lika Boy. Oui, ben, j'avais un bout. Et pas de jaloux, hein. Chacun son tour, hein. Osiris, je l'ai appelé assez longtemps. Osiris Risotto. Osiris, non, arrête de dire ça, c'est toi qui l'appelles comme ça et c'est pas sympa. Mais tu l'as appelé comme ça? Non, je l'ai pas appelé comme ça, c'est toi qui te foutais de ma tronche parce que je lisais pas son pseudo. Comment tu l'appelais déjà? Osiris, je crois. Non. Mais j'ai jamais dit ça, c'est toi. Faudrait qu'on regarde les lives. Je te jure. Jamais j'ai dit ça. Tu vas me fâcher, hein. Tu vas me fâcher tout rouge, hein. Non, je l'appelais Zeris. Ou Iris, ou un truc comme ça. Non. J'ai jamais dit ton nom de plat à base de riz. Bah, comment tu le prononcerais, là?
Bah, je t'ai dit, je devais l'appeler Ziris. Allez, du coup, Taïo, hein, Taïo de la Infinity qui est en train d'arriver en zone. Ça passera pas. Si, ils sont occupés. Tout le monde est occupé, ça peut passer. Oh là là. Ziris qui est en train de push. Taïo qui s'est fait tuer, ça sera terminé très rapide. Pour la... terminé malheureusement pour la Royal Academy. Et j'ai pas compris pourquoi Taïo a essayé de tenter le kill. Il a tenté le kill. Bah parce qu'il avait peut-être plus de soin et tout. Après, je sais pas, moi, tu tentes le tout pour le tout à dire vas-y, sur un malentendu, si je peux prendre un frag en partant. Moi, j'aurais fait pareil. Hein. Ah, moi, j'aurais plus essayé de m'avancer discrètement. Il a été repéré. Hein. Oui, de toute façon, il a été repéré. Et bah finalement, ce sera un top 1 de la Onyx, qui n'était pas la première game, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je sais plus, première game, je me suis trompé. Ah d'accord, bon bah peut-être qu'ils étaient la première game, on le saura au classement général. Mais donc GG à la Onyx, avec 12 kills. Pardon. En deuxième position, on va avoir la Royal Academy avec 3 kills, hein. 2 kills de Lika Boy. Et en troisième position, eh bien, ce sera la Infinity. La Infinity, c'est ça. Avec 7 kills et 5 kills de la part de Taïo. Non, elle disait pas Osiris. Faudrait que je retrouve. Ça doit pas être bien loin, mais... J'ai tiré saute. Alors, le player qui sera au taquet, eh bien, ce sera Riff. Riff, les 5 kills, c'était de qui? C'est qui a fait 5 kills? Et ouais, il n'y a pas les team tags, donc c'est compliqué pour nous. C'est peut-être de là où ça te parle, ça, Riff. 5 kills. Ah, je saurais pas dire. Bah non, ça doit être de la Onyx. Hein. Ça doit être de la Onyx. Merci Cookie. Voilà, enfin quelqu'un qui suit. Eh, vas-y, continue le résultat. C'est toi le méchant. Voilà. Moi j'écorche, mais je ne déforme pas. Le fidèle compagnon, eh bien ce sera Alex, hein, de la Cineria, avec 3 réanimations. Et enfin, le Terminator, eh bien ce sera Katex de la Onyx. Quoi? Alors je te coupe. C'est AL3XX667. Alors, tu t'es trompé, c'est AL3XXX. Il y a 3X. Voilà. C'est de loin, c'est toi qui as l'écran. Bah, j'ai dit Alex. Oui, bah, c'est pas Alex. Bah si, c'est... Non, c'est pour t'embêter. Oh là là, on n'est pas arrivé là. Bon, allez, du coup, 5 petites minutes de pause avant de comme vous d'habitude retrouver pour la troisième game qui sera sur Stanok. En attendant, on vous laisse avec la highlight et on vous retrouvera avec les résultats intergame. A tout de suite. We'll be right back.
Ah, il a pas honte. Et crois qu'on enlève. Tout va bien. J'étais pas prêt. Ah bah non, t'étais pas prêt. J'étais non. pas prêt. Et c'est toi qui appuies sur le bouton en plus. Grave. Ah non, mais j'étais en train de rigoler de la blague de Ronan. Non, mais c'est cool de pouvoir carry des petites teams qui en ont besoin. Oh là là. Bon, ça m'a fait rire, bah ouais. Oui. Et rappel pour l'anonymat. Hein. Ah oui. Et c'est... pour la barre de 20 jours. En de 1 mois et demi, je sais pas. Ça se voit. Ça se voit. Ah bah zut, on va être repéré, on va être reconnu maintenant. Non, il n'y a pas de risque. Ça a duré, ça a pas duré longtemps. Un joueur public, je donne tout pour lui. Un joueur. J'ai pas compris. Non plus. C'est pas grave, Renaud. On t'aime quand même. Oui, oui, oui. Tu nous envoies du beau jeu avec ta car et tes snipers. Est-ce qu'on irait pas pour reconnaître très, très bon sniper. Il y a des résultats pendant que le lobby se remplit. Vas-y, vas-y. Balance les résultats. Let's go. Et c'est toujours un top 1 de la Cineria. Voilà, tu as ta réponse, Andrés. Et tu as ta réponse, Ronan. En fait, c'est pour ça qu'ils rejoignent le live. C'est pour regarder le live scoring. Ouais, moi je dis ça, je dis rien. On a perdu 6 personnes sur le live depuis qu'ils ont vu ta tête. Hein. Oh merde. C'est vrai, elle est arrivée? Non, elle n'est pas encore arrivée. Est-ce qu'on la voit longtemps? Attends. Montre le replay. Oh non! Ah merde, puis le moment où tu remontes le masque quand tu t'en rends compte que tu n'as pas le masque. Ah non, énorme, énorme. Trop fort. Prends le mauvais, quoi. On t'a... Ah, vous me faites rire. Ah oui, là, non, mais là, le gros fail. Eh ben oui, bah coucou de vous. Hein. Bon, je remets, je vous laisse avec le scoring et moi je. Pas te cacher. Je vais aller me cacher. Non, je vais peut-être pas te laisser reprendre la main. C'est moi qui appuie sur les boutons maintenant. Ouais, ouais, je touche plus à rien. Ouais. Moi, je touche plus à rien, je reste. Voilà. Ça, j'étais prête, moi. Hein. Mais en plus, j'avais le masque et tout, et j'étais là. Oh, en train de me. C'est le moment où tu te rends compte que tu retires le masque et tu le remets, quoi. Non, mais... Oh là là, qui c'est qui a acheté ça, qui l'a parcouvert ? Je vois la tête en plein écran et je fais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, bref, bah voilà. C'était le fail de la soirée. En tout cas, on est bientôt reparti pour la troisième game sur Sanok. J'en profite pour ceux qui nous rejoignent et bah de profiter maintenant que vous avez vu ma tête. Bah, n'hésitez pas à follow la chaîne, hein, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Ah oui, n'hésitez pas à follow sa barbe. Petite précision, apparemment, il n'y a plus le Go Replay, Go Screen. Non. Apparemment, il n'y a plus le chat relay sur YouTube. Donc, si vous parlez sur YouTube et que ça ne s'affiche pas en bas à droite... Ouais, on n'a plus vos messages, même nous, on ne les voit plus. Par contre, attends, parti. Donc, je finis ma phrase. Si ça ne s'affiche pas en bas à droite, et bah, c'est normal. Voilà. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et d'ailleurs, on ne voit plus vos messages non plus, du coup. Donc, n'hésitez pas à repasser sur Twitch. Ah, j'ai raté ça, ouais. Non, mais je vais supprimer la vidéo. Ah bah, t'assumes. Et je veux plus devoir appuyer sur le bouton. Parce que t'imagines, ça aurait été toi. Oh là là, bah, qu'est-ce en fait, que j'aurais pris. J'aurais même pas remis mon masque, je t'aurais frappé en live, quoi. Qu'est-ce que j'aurais pris? Oh, surtout oh là là. Qu'on s'est préparé, mais genre 5 minutes avant le lancement avec ton téléphone qui voulait pas se rallumer. Du coup, j'ai une tête, mais horrible. Allons-nous assister en direct à la mort de Kaipi. Kaipi, là, on lui met une olive dans les fesses et il nous fait 3 litres d'huile, je pense. Allez, les Kaipinettes, tous derrière lui. Oh, il y a plein de fights. Bon, je pense que. Eh ben, finalement, Blink Queen qui va peut-être. Sauver les fesses de Kaipi. Je ne sais pas trop. Non. N'hésite pas à reprendre la main, Mélish. Du coup, je suis parti côté DKS avec Mémé qui est à terre. Hein, Camille qui vient de tuer un player de l'Infinity. De tuer. C'est pas prête non plus. Hein. Allez, aidé par ses mates. C'est bien. On va sortir. Ah, il ne restera plus qu'un côté infinité. Tu t'es cru dans Koh-Lanta ou quoi?
Oui, ça recommence bientôt. Ah, malheureusement, Dune qui nous quitte. Oui, Caillot, hein. Tout repose entre ton arme. Oh non, il recherche sa Thompson. Oh non. Et c'est fini pour l'Infinity, très rapide, hein. En même temps, c'est Sanok. Allez, allez, charge, charge. C'est bon, je suis chargé. Je vais rejoindre tout de suite la Onyx. Passe à la dash. Mais non, vous avez rien raté. Il s'est strictement rien passé à l'intergame. Tout s'est déroulé selon le plan. Vous allez être reconnu en rue maintenant. Bah, je jure. Hein. Moi, ça va. Bon, bah, ça va. En même temps, nos photos ont assez tourné avec le GP Explorer. Oui. Même vrai. Si j'étais pas vraiment à mon avantage. Oui, bah, ça, on l'a compris. En même temps, c'était intense. Tiens, d'ailleurs, on a reparlé à... Hashtags. Hashtags. C'est marrant. Mais donc, n'allez pas voir le replay. De toute façon, je vais le supprimer. C'est la réaction que tu as captée qui m'a fait... Non, mais de ouf, la réaction, c'était pire que le truc, quoi. Et puis, en plus, mort de rire avec la remarque de Ronan, c'est le pire, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Quoi? On voit ma tête à l'écran sur l'ordinateur. C'était trop ça, quoi. Bon, bah, je crois que je vais te laisser avec la Cineria, parce que j'ai Morgan... Bien de nous trouver un premier player côté DKS. Mais écoute, hein, c'est en train de faire du mal, hein, à la DKS. Mémé, peut-être Mémé qui va rester toute seule. Ou tout seul, je sais pas. Mémé cœur. Mémé cœur. Qui prend ça, feu. Ouais, oh. Ça brûlait pour Mémé. Et c'est terminé, hein, côté DKS. Eh oui, ça fera encore 4 frags, hein, pour la Cineria qu'ils ont pour le moment, la tête du classement, hein, des résultats. Qu'ils ont, oui, et ils. Avec un S à la fin, du coup, tu fais la liaison au ce qu'ils ont, ONT. Bah oui. T'es jaloux parce que tu sais pas parler comme moi. Ah, l'accent du nord-est, du grand est, pardon. Allez, yo-yo de la dash qui voit un petit peu tout le monde. Hein. Et là, on prend de l'info, on sait à peu près où se trouvent les gens. Repérer surtout Sentinelle. Moi, je repense à... Non, mais sérieux, quoi. Oh, il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est pas possible, quoi. Oh, je vais essayer de prendre de la hauteur, quand même, parce que là, c'est... Il faut qu'il se décale. Forcément, il faut qu'il se décale. Voilà. C'est bon, on est pas mal, là. Allez, Katex, je vois qu'à préparer une grenade, hein. Katex de la Onyx, à peu près au milieu de l'écran, qui est destiné à God of War, qui était un petit peu trop cook. Tout petit peu moins cook. Et ça aurait été parfait. Hein. Je préfère quand c'est un petit peu plus trop moins calme. Kaipi qui a été trouvé et confirmé. Oh non. Non. Non, j'ai raté ça. Et pas ça. Ou pas ça. Eh bah, ben, ça doit être du côté nord-ouest. Ou nord... tout au nord. Parce que la Caredas était vraiment nord. Dans leur lieu de spawn, en fait. Je vais pas... Et pas balancé. Mémé, c'est une fille. Eh ben voilà. Eh bien, ok. Donc Mémé, c'est une fille. Écoute, ils sont dans l'eau. Je sais pas ce qui s'est passé. Il restera. Phoenix, c'est vous. Ah, et c'est vous qui se prend des balles dans l'eau. Bah pourquoi il a pas perdu de vie? Bah non, mais il y a des balles qui atterrissaient dans l'eau. Ah ok, d'accord. Bon, c'est vous, je t'ai déjà dit. Mets pas la tête sous l'eau trop longtemps, tu vas te noyer. Écoute, maman de c'est vous. Oui. À côté de moi, il y a la maman de c'est vous. Là, ils vont le croire vraiment. Oh, la honte. C'est pas moi qui ai pondu ça. Humour, hein, je précise. Bon, si t'as quelque chose d'autre, vas-y, hésite pas. Hein. Parce que moi, c'est de loin, très loin. Oh là là, on a confirmé avec le Molotov de la part de Riff. C'est bien joué, ça. On essaie de prendre un petit peu d'avance. On n'ose pas traverser, hein, quand même, côté Onyx. On a pingé très vite fait, hein, pour Riff.
Est-ce qu'il vient de pinguer où était où se décalait l'ennemi? Toujours intéressant. Oh, quel clic est de retour dans le chat. Bah oui, on a vu dans le kill feed, t'as mouru. Pourtant, on avait demandé à tes Kaipinettes quel temps que fourrage. Parce que t'en as plein ici. Oh mon Kaipi, tu vois, voilà. Voilà. Bon, je te relaisse la main, Amélie. Il restera plus qu'un player debout hein, pour le moment. Côté Mazaka, c'est en train de prendre l'aria. Et... Poutine hein, qui a subi pas mal de dégâts aussi. Hein. Rien n'est fait. Tout est encore à faire. C'est chez toi hein, que ça se passe le plus de bon. Ouais. Bah c'est bon, c'est, je crois on a perdu deux players hein, côté PB09. Il va nous rester que... Ah non, pas d'un coup, il va nous rester VIP. Oh non, il est AFK. Oh non. AFK pour VIP. Bon, bah, terminé pour la PB09. Ouais, du coup, c'est de loin maintenant pour de mon côté. Ok, il y a des soirs comme ça, que veux-tu? Bah ouais. Bon, bah c'est de nouveau un petit peu calme. Oh là 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 là. Maintenant. C'est mais, quoi ce push? Mais j'ai cru qu'il est... Mais Luffy, pourquoi t'as pas tiré avant? Mais pourquoi? C'est dommage, hein, là c'était une belle occasion. On est en train de préparer une grenade en face. Et coucou à toi, Cam. Et Madré, hein, qui a fait le travail dans le bac. Et du coup, il restera plus qu'un player hein, côté Poutine. Il va rester Fulkov. Et qui vient de trouver Luffy. Attention, attention, hein, rien n'est perdu. Attention. 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 Attention où elle enlève le masque. Non. Il n'y a que toi pour faire ça. Oui. Non. Enfin, oui. Les histoires, c'est quoi ces histoires de Kaipinette? Bah écoute, tu as des fans dans le chat. Donc, j'ai dit que c'était comme, t'étais comme Clo-Clo, sauf que t'es Kaipi. Ou Clo-Clo, il a assez Claudette, et toi, t'as tes Kaipinettes. Voilà pour la ref. Et du coup, Fulkov, hein, qui ne lâche rien. J'ai l'impression que, ouais, en face, il restera qu'un player. Hein. Également, côté Mazaka, qui est en train de back complètement. Allez, ça va sauver les points de classement. Je te redonne la main. Merci. Mais c'est... Ok, et puis j'ai encore loupé trop de choses. Bah oui, je loupe tout à chaque fois. Mais pourquoi à chaque fois que je vais sur eux, il se passe rien? Et là maintenant, côté Golden Phoenix, Antares qui nous trouve... Ah bah voilà, c'était ça, c'était là le truc. C'est finalement Rico. Rico qui va nous faire un gros massacre hein, sur la Mercenaries. Mais t'étais pas là juste avant, on est d'accord? Non. Ok. Parce que j'ai regardé le kill feed. Là, j'étais dessus. Ah. T'avais pas vu la petite cam? Non. Pas grave, hein. Écoute. Manque de communication, hein. Bah ouais, d'habitude. Putain, tu peux aller sur le dernier player de la 11 si tu veux, qui est en train de rota à côté de la 14, de la Cineria de Andrés. Mais ça a l'air de passer, hein. Alors, la Mazaka. Eh ben, je suis pas allé les voir non plus, tu vois. Ça me dit rien. Fais-moi un résumé. Bah écoute, le résumé, il est à peu près au milieu de la deuxième game. Sur Miramar. Non, mais c'est comme les gens qui veulent regarder un film et qui veulent connaître l'histoire avant. Tu oui. Regardes depuis le début. Parce que tu verras les chats, tu verras les mondes qui disent « Il est où KP? C'est quoi KP? Il est toujours là KP ?» Ouais, c'est vrai. Ouais, je reprends la main parce que t'es en train de me faire des trucs dégueulasses. Bah, il est toujours et du coup, je suis sur la Golden Phoenix hein, face à la Team Classic avec Pass hein, qui est en train de s'approcher, qui va certainement pêcher. Attention à toi, tu es attendu. Ouais. Un muret vs un arbre, le muret gagne. Compliqué. Ouais, ça va, ces mecs sont derrière pour l'aider. C'est un carnage des deux côtés.
qu'on retrouve Tengis. Hein. Tengis qui essaye d'attendre. Ils attendent tous, en fait. Je suis vraiment mal positionné à ce point-là, moi. Oh là 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 là. Et ce soir, on fait des vues pourries. Mais ils sont super loin, en fait. Ils avaient traversé pendant ce temps-là. En tout cas, ils ont perdu un player, hein, côté team classique, hein, c'est ça ? Ouais, ouais. Mais il était resté de l'autre côté de la baie. De la rivière. Je sais pas ce que c'est. De la rivière. Go Burger King Fest. J'ai pas fait attention. C'est quand je suis arrivé trop tard dessus et du coup on a tout raté malheureusement. Alors je vois que côté SO, eh bien on a décidé de back un petit peu cette équipe de la Cineria. Contourner en tout cas pour Keane. Oh, c'est moi ou Gohan? Gohan est en train de refaire un autre contournement. Ouais, on est en train de se rapprocher. Hein. On décide d'aller au contact. Oh, la grenade qui peut être belle. Qui peut peut-être collecter. Oh, en plus, on a été prendre. Ah, on a été trop gourmand là, côté Gohan. Malheureusement, on sera en plus confirmé. Hein. Ronan qui est tombé, mais qui pourrait être relevé, hein, sans aucun problème. Ce qui fait qu'on a perdu quand même un player, hein, côté SO. Allez, Impulse qui s'avance, qui est armé d'une grenade. Je l'ai vu juste avant. On a vu la grenade de la Cineria de Alex qui était juste. Elle a frôlé la joue, là. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bien lancées, ces grenades. Ouais, c'est encore en train d'en préparer, en face. Hein. Attention. Oui, ouais. On voit côté Cineria, on est venu avec beaucoup d'utilities. Allez, ça va être l'affrontement, Impulse. Et finalement, ce sera Alex qui va l'emporter, là. Ce petit duel passe à la SO, et il va rester qu'un seul player, hein, je crois. Il va rester que Snipe. Snipe qui va être tout seul, hein, côté Team SO. Et ce sera terminé. Alors, faudrait pas se faire quand même knock. Je crois qu'il reste que Ronan. Hein. Ronan qui va être tout seul côté Cineria. Et on est un petit peu sous tous les angles, là. On va avoir la Burger Quiz d'un côté. On a également la Sugar Crayfish de l'autre, en slot numéro 10. Et c'est bon, ça passe pour la réa sur Yamordom. Nickel. Du coup, moi, je suis retourné sur Madre, hein, dernier player de la Masiaka. Il vient de trouver un joueur de la Dash. Oh, je sais pas ce que fait Dashuyo. Joueur 2 en 1 ou... Ça prend... Ne pique pas mes blagues, ça te va pas. Non, je te demande. Bah non, il est tout seul. God of War... va mourir très prochainement. Il ne pourra pas être réa. Et ça y est, il a été méchant. Et je vois Cam, hein, qui dit « Allez, Ronan !» On a des Ronanettes aussi. Oh là là là. Et du coup, temporisant, ça attend l'erreur. Bon, en tout cas, 11 équipes, pourtant elles sont assez split. Hein. Ouais, la zone est en train d'arriver. Hein. Ça va peut-être pousser un petit peu tout ça. Madre va devoir décaler. Madre, ça veut dire la mer, non ? La Madre, ouais. Ouais, du coup, ils sont en train de back de l'autre côté. On donne la main. Pardon. Donc là, on est toujours sur la team classique, hein, qui essaie de tailgate un petit peu cette équipe de la Golden Phoenix. On est côté ouest, et merci pour le follow... entre les bruits. Carlito. Merci pour le like, pardon, Carlito. Fidèle au poste, merci. Hein. Et oui, vous pouvez nous regarder aussi sur Facebook. Et pour rappel, hein, le chat YouTube, enfin le chat écrit YouTube n'est plus relayé, du coup on ne voit pas vos messages, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Enfin, pensez pas qu'on vous répond pas et tout, qu'on vous aime pas, qu'on vous esquive, non, c'est parce qu'on voit plus vos messages sur YouTube. Et d'ailleurs, salut à toi Karl, du coup.
Bon, on les voit quand même sur Facebook. Peut-être qu'en fait, il n'y avait personne qui parlait sur YouTube. Ouais, peut-être mais ça aussi. Au cas où, si vous parlez sur YouTube, on ne voit pas vos messages. Ah, bon, je l'ai trouvé. Il était où? Ah, c'était en Tarès. Je cherchais. Je te relaisse la main, Mélish. Bon, moi, je suis parti un petit coup sur l'IRAD, hein, qui est à proximité d'une autre... Ah bah forcément, j'étais juste... Bah oui. T'es mauvais. Écoute. Oh là là, finalement, côté Golden Phoenix, on est en train de se faire encercler. Eh bien, par la team classique. Et finalement, ce sera peut-être à l'avantage de la Golden Phoenix. Et bien joué, ça, de la part de Tito. Tito qui va peut-être pouvoir réanimer Antares. Ça passe, on s'excite un petit peu sur le bouton réanimer. Je t'aurais à me dire pourquoi KLP, il mérite Streamboat Hello. En fait, parce que pour lui, il a voulu répondre à Karl. À Karl. Il parle de Facebook, ouais, du coup, non, là, tu viens de tag le bot, KLP. D'où le nom Restreamboat. Et côté Golden Phoenix, c'est moi ou... Oh, on n'a pas pu réanimer Antares. Tito qui va rester tout seul, faut récupérer les trousses, faut récupérer les munitions, faut tout récupérer là. Non, on le tente quand même. C'est assez split, hein. 10 équipes, 22 players en vie. On n'a pas l'impression qu'il reste 10 équipes dans ce petit cercle-là. Ouais. Ils sont vachement dispatchés. Et toujours, hein, le dernier player de la 11, hein, de la Misiaka, qui est en train de rota encore à côté de la Cineria. La Misiaka. Masiaka, ouais. J'arrive pas à retenir le nom. Ouais, je pense que c'était repéré en bas à droite. Hein. Il y a des grenades qui fusent un petit peu. Allez, sur l'écran, dernier player de la Dash. Yo-Yo, zéro kill hein, pour le moment pour la Dash. Ce serait bien si Yo-Yo pouvait sortir un petit point de kill là. Et on voit au loin la Royal Academy hein, qui essaye de prendre le top colline. La zone qui commence à pousser et beaucoup de monde qui n'est pas encore en zone. Hein. Attention, t'es sur la carré d'as là. Ouais. Ah bah, je suis sur Alex, moi, qui, je crois, est très très proche de la carré d'as. C'est vous qui êtes tombé. Et voilà, oh, Phoenix a que des DPS, mais non, ça sera pas suffisant, malheureusement. Et ce sera finalement, eh bien, Alex hein, qui va l'emporter, mais tout de suite derrière, il y a la Golden Phoenix qui arrive, je crois. Et salut à toi, Unico. Et salut, Unico, première fois. Sur le chat. Et oui. Donc, on rappelle, hein, n'hésitez pas à follow si vous aimez le contenu. Et puis surtout, si vous voulez en voir plus, hein. Si vous voulez voir Juju sans masque. Ouais, finalement, le 1 million de follow, ça marchera plus, ça. C'était pas 1 million, hein. C'est ça qu'on avait dit, non? Non, j'avais dit 10 000 ou 1 000, 10 000, je sais plus. Peut-être. Oh là 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 là, alors Sirif. On a été repéré. Oh, on a été repéré par Lyon. À Lyon, pardon. Et du coup, merci pour le follow, Unico. Ah, t'as Lyon, attention. Hein. T'as eu ton kill tout à l'heure, tu viens d'éliminer la Onyx. Faudrait pas se faire knock tout de suite après. Sugar en middle, zone tellement insane. Et ouais, la Sugar, mais tu connais Lilian, la Sugar? Peut-être que tu joues pour eux. Bon, je vais aller me caler sur la Royal Academy, là. On est venu se rapprocher très dangereusement, eh bien, de Fulikov. Ah, Alex qui vient de tomber un côté Burger Quiz. Je pense que l'arrêt est compromise. Ouais, t'as mis... Ouais, non, c'est fini pour la Burger Quiz. Oh, c'est joli ça, Nico qui vient de trouver un autre player encore. Yo-Yo qui va peut-être jouer l'extrat, hein. Je vois qu'il reste hors zone. Ah, il a pas le choix. Ouais, il reste côté beaucoup Dash, de monde pour l'extrat le quand même.
Tokyo peut-être aussi, il lui reste 4 trousses, Yo-Yo qui va tomber. Et ouais, c'est fini pour la dash. Et finalement, Fulkov qui peut peut-être faire la diff. Hein. Voilà, grenade qui peut être belle hein, sur Fulkov. Et c'est ouf. Terminé. GG, ça de la part de Tokyo. Ce sera finalement 4 contre 2. Hein. 4 du côté de la Sugar Crayfish contre 2 eh bien, de la Royal Academy. Salut la team, vous m'avez manqué. C'est qui? Unico. Unico, je vois pas. Allez, reste qui vient de tomber, il restera que Tokyo. Je peux priver tout seul. J'avais envie de dire. J'avais envie de dire que c'était faisable pour Tokyo. Mais j'avoue que 4 contre 1. Et du coup, pour Mélis, ça sera 10 000 follow. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes pas prêts là. J'attends pour participer à un live encore. C'est-à-dire, Unico, participer à. Ah, je suis perdu là. Moi aussi, complètement. J'avoue, j'ai pas la ref. J'ai pas Peut-être un giveaway. Peut-être un giveaway. Je sais pas de quoi tu parles non plus. Mais bah, c'est il pas attend grave. Peut-être pour participer à un giveaway. Bon, bah explique-nous Unico. Hein. Mais en tout cas, GG à la Sugar Crayfish. Première fois qu'on les a dans nos streams. Dans nos streams. Et top 1 de la part de la Sugar. GG à vous. Avec 9 kills en plus. Hein. C'est pas dégueu. 4 kills de la part de Nico. Et en deuxième position, eh bien, on va avoir la Royal Academy. La Royal Academy avec un gros travail de Tokyo qui a réussi à arracher quand même ce top 2. Et 7 kills pour la Royal Academy. Enfin, en troisième position, on a la Poutine Esport. J'avais envie de dire la Phoenix, mais non, la Poutine Esport. Avec 3 kills. Du côté des meilleurs players, eh bien, ce sera Antares de la Golden Phoenix qui sera au taquet. Hein. Avec 5 éliminations, le fidèle compagnon, ce sera Tito, encore de la Golden Phoenix. Fidèle compagnon avec sacrée animation. Et enfin, le Terminator, eh bien, ce sera Nico de la Sugar Crayfish. Avec 4 kills. Hein. Eh bien, GG à eux. Donc, petite pause une nouvelle fois. Et puis on se retrouve d'ici 5 petites minutes, j'avais envie de dire, pour un nouveau face reveal, mais non. Non, mais pour la dernière game qui sera sur Sanok. Non, sur Erangel. Oui, tout à fait. Oh, on n'est pas. Voilà. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt ce soir. Ah non, c'était le bordel ce soir. Non, en tout cas, du coup, dernière game hein, sur Erangel à venir. On vous retrouve d'ici 5 minutes avec le live ranking. Oui. Et on vous dit du coup à tout de suite. Allez, à tout de suite. We'll be right back.
Cette fois, c'est bon. Oh, on n'a pas dit de blague. Voilà. Et moi, j'ai remis le mien une minute trente avant de reprendre la main. En fait, elle ne l'a pas enlevé. Quoi. De peur que j'appuie par inadvertance. Non, mais en plus, enfin, sincèrement, mon premier réflexe, ça serait de le frapper. Donc, après, pour y avoir des preuves, pour une potentielle plainte contre moi, pour violence, il ne tient pas. En tout cas, allez, go voir le live ranking. Et c'est un top 1 de la Royal Academy. Hein. Une prise de position première place. Ah oui, 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 pardon. Ils n'ont pas fait de top 1. Oui, ils n'ont pas fait de top 1. C'est leur point de placement, 32 points. Et surtout, leur point de kill, hein, 23 points pour la Royal Academy. On passe devant la Cineria. Alors, je crois que ça va gronder côté Andrés. Hey, Ronan. Hey, au boulot. Hop, hop, hop. Fais ton taf, là. Ton taf, arrête de cambrioler les pauvres cavistes. Non, ça c'est Andrés. Bah oui, bah Andrés, fais ton taf. Ah ok. Et du coup, pour revenir à toi, Nico, non, franchement, ça fait super longtemps, mais ça dit que c'est la première fois que t'as écrit sur le chat ce soir en plus, mais du coup, je ne vois pas du tout qui tu es ou t'as changé de pseudo, je sais pas, t'as créé un nouveau compte. Écoute, raconte-nous tout. Désolé en tout cas, hein, si on se souvient pas. Ça va être insane. Imagine. Bah, je sais pas, écoute. En tout cas, n'hésite pas à nous dire. On se fait vieux, hein. Oui. Ouais, mémoire courte. Hein. Mais du coup, je vois que l'avion commence à partir. On va très vite partir pour cette quatrième game, quatrième et dernière sur Erangel. Ouais, toi l'honneur, Mélie, je n'appuie plus sur les boutons. Attends, j'attends que l'avion soit sur la ligne de départ, que ça part de loin. Et c'est parti. Mon kiki. Yo yo les... Oh, salut Blaze! Salut à toi! Eh ben écoute, ça va très très bien. Hein. Ça va très très bien. Ah, je me disais, j'entends pas le bruit. Bah oui, mais j'ai pas mes écouteurs. Ah oui, mais moi aussi je me disais, je t'entends en double, c'est bizarre. Bah tu m'entends en double. Non, mais j'avais qu'un écouteur en fait. Oui, bah c'est pour ça, tu m'entendais bien quoi. Non, mais je veux pas t'entendre en double. Déjà en simple, c'est compliqué. Vivre.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vois qu'on a un player solo qui a pas entendu son... Ah bah non, pas solo en fait. Allez, je vais partir du côté de Milta. Je vais pouvoir encourager ma team à fond. Je fus remplacé pendant... Ah, bah écoute, on va pas les carrer. Du coup, tu vas encourager qui? La Cinaria ou la DKS? Je crois que c'est l'affrontement là en bas à droite. On est côté Novo Lepnoyer. C'est la Dash face à la PB09. Je crois qu'on a déjà perdu. Oh, et puis je vois VIP qui va être knock et qui va tomber malheureusement sous le DBS de Yo-Yo. Sous le S12K, pardon. Le S12K de Yo-Yo. Johnny qui essaie de prendre une décale. Hein. Ça peut faire la diff. Hein. Du coup, j'ai ma réponse de la DKS. Oh non. Bah, tu n'auras pas été un traître jusqu'à la fin ce soir. Je vais pouvoir en courage. Bah, enfin. Allez, on décale un petit peu hein, côté PB09. Et de mon côté, en bas à droite, hein, la toute erreur, hein, du coup, qui a perdu déjà deux players face à la SO. SO, j'ai pas été voir ce soir. Si, moi je suis allé voir pas mal de fois même. Et oui, allez, la Karedas, et je dirais même mieux, allez, Kaipi. Moi aussi, je veux être une capinette. Ah, ça se dit même. Merci, merci Ronan. Ça se dit même ou mémé? C'est Harley Quinn qui nous disait que c'était une fille. Donc, ça se dit mémé, apparemment. Même ou mémé, je sais pas. Il y a des accents sur son pseudo. Allez, Johnny, faut que ça charge. Faut que ça charge. On vient de trouver un player. On vient de trouver Pichy. Pichy, du côté de la Dash qui vient de tomber. Ah, ce serait bien si on pouvait confirmer. Et Brossem qui va trouver un player de la Cinaria. C'est joli ça. Quelle belle vision de jeu de la part de la PB09. Malheureusement, la Réa pourrait être prise hein, sur Pichy. Et Alex qui sera confirmé. Hein. Oui, du coup, Cinaria face à DKS. Hein. Bon, non. Et malheureusement, Brossem qui tombe. C'est la M16 en rafale. Ouais, qui sera confirmé. Hein. Ah, j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais d'un autre côté, bah, je sais merci. Que ça va être... Tu me fais pas chier, là. Tu veux que je t'aide? Oh, c'est pas possible. Ah, Johnny qui vient de confirmer. Pichy, c'est bien ça. Attention quand même à la décale, je crois. Et ouais, c'était Yo-Yo. Yo-Yo qui était pas très très loin. Et qui va peut-être trouver une ligne sur Johnny. Ce serait le moment d'y aller. La grenade qui peut peut-être connecter, qui peut faire très très mal à cette équipe de la PB09. On a annulé la grenade hein, pour Yo-Yo. On est passé sur l'UNP. Ouais, GG, c'est de la part de Johnny. Johnny qui fait quand même très très mal à cette équipe de la Dash. Et du coup, c'est Mémé. Mémé, ouais, d'accord. Ok. Et donc Harley Quinn disait que c'était une fille. Vous confirmez. Je veux dire logique puisqu'elle s'appelle Mémé, mais... Non, des fois, il n'y a aucune logique. Il ne faut non, pas forcément ouais, être ouais. logique avec les pseudos. On s'est tellement trompé. C'est sur Serena. Serena oh oui, et beaucoup d'autres. Ouais. Hein. Ouais. Camille aussi... Bon, bah en tout cas, ça... je sais pas où aller. Il y a beaucoup de rapprochements, mais finalement, pas de rapprochement de près, quoi. N'hésite pas hein, si t'as quelque chose, parce que moi, je crois que toujours entre la. Ouais, du coup, petit tour sur la Burger Quiz hein, avec à proximité la Onyx. Mais c'est pareil, hein, c'est pas. C'est timide encore. J'ai vu dans le catch-up que Johnny avait tué quelqu'un. T'étais dessus juste avant, c'est ça? C'est ça. La décale de la PB09, malheureusement, qui ne sera pas concluante. Et Johnny qui va se retrouver tout seul face à, je pense, trois players de la Dash, puisque non seulement l'area sur Daku ne pourra pas être prise, mais en plus, l'area sur God of War a pu être prise facilement. Et c'est terminé pour la PB09. À la Dash.
Allez, je suis reparti côté tout erreur, hein, avec à proximité la SO toujours. Bon, ça se loot tranquillement, écoute. Hein. J'ai plus le truc là, ça y est, j'arrive plus à rester sur la team qu'il faut. Bon, finalement, je suis reparti là où t'étais tout à l'heure, hein. Burger Quiz face à la Onyx, où on s'affronte à coup de grenade. Oh, celle-là peut être belle, destinée à Lilian. On a profité un petit peu pour se soigner, je vais essayer de prendre de la hauteur quand même. C'est relativement propice, petite vue de haut. Et c'est moi ou on perd Yamordom? Bah écoute, je pense qu'il était AFK parce qu'il a pas du tout bougé. Bah il était AFK. Y a pas Mordom. Et Nexo du coup qui va se retrouver tout seul, hein. Et qui prend l'ascenseur. Oui, qui fait mémuse dans l'ascenseur. Exo le plus beau. Oh, Akila qui sera trouvé par Katex. Alors, je sais pas d'où. Oh, de tellement loin. Oh là là. Bah, nous, ça fait pas longtemps, hein, Cookie, qu'on sait que c'est un mec. Et vraiment pas longtemps du tout. Ça, une semaine peut-être. Même pas. Deux. Je sais pas. Bah, depuis les custom vaginettes, hein. Ouais. Mais ça fait... enfin, c'est pas longtemps qu'on l'a appris, quoi. Il nous a mis une vue comme ça, tranquille. J'étais sur le mauvais joueur. Vas-y, je... Eh ouais, non, mais tu me poses des questions en même temps. Tu sais qu'arriver une certaine heure, moi, faire deux choses à la fois, j'arrive plus. Et j'en profite, hein, pour rappeler, pour ceux qui nous rejoignent, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas, évidemment, à follow, hein. Et on le rappelle, hein, du coup, des scrims de la Caredas tous les mercredis, jeudi et samedi. Un tournoi qui va pas tarder à arriver. Les registrations sont ouvertes. Vous avez jusqu'au 28 pour vous inscrire. 600€ de CP. Et ça se passera la deuxième et la troisième semaine de février. Et autrement, on vous retrouve également le dimanche à partir de 20h30 pour les custom vaginettes qui seront streamées par nous-mêmes. Et les issues de secours sont situées à l'avant, au milieu. Et à l'arrière de l'avion. Un gilet de sauvetage se situe en dessous de votre siège. Non. Voilà, voilà. L'annonce d'hôtesse d'accueil, quoi. Ah ouais? Ah ouais, grave. Ça va, c'est que je fais ça bien, là. Bon, il y avait une team en... C'était en orange? Ouais, c'est ça. Bah voilà. C'était préféré. Oh, on a perdu la dash. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dash? Non, on les a pas perdus. Il y en a deux qui sont knock. Il reste Yo-Yo, la dash. Pendant ce temps-là, Nexo qui est toujours dans la tour, mais attention, il y a la Golden Phoenix à proximité. Il n'est point seul. C'est quoi cet ascenseur? Eh ben, c'est l'ascenseur dans la tour. Et il est long, l'ascenseur, de vrai. Ah ouais, grave. Il va nous refaire un tour, oui. Allez, Exo, round 2, ascenseur. Allez, merci pour le follow, gringo. Ah, c'est pas possible. Voilà, il est au sixième étage. Bon, allez, les gens, là, faut se mettre dessus, là. Il y en a qu'un qui peut sortir, vainqueur. Oui, dans la tour, ouais, il y a un ascenseur. Bon, on a découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas vu c'est où. Alors, c'est dans la tour. Attends. Qui est... Quand je te mets la map, hein. Et du coup, ça va être dégueulasse. Ouais, c'est... Wapochinki, bah, c'est pas là, c'est en dessous, mais là. Tu peux faire... tu peux mettre un itinéraire, non? Ah non, on peut pas. On peut pas marquer, bah oui, on n'est pas non. Player. Évidemment. Et du coup, là, c'est sur... Fulkov qui vient de trouver Zoufi, je crois que c'est comme ça. Hein. Luffy, peut-être.
Allez, en bas à droite, un petit tour sur la Onyx face à la Burger Quiz. Je vois côté Royal Academy, on vient de trouver un player de la Onyx. Oh, il y a beaucoup de fights. Hein. Je te relaisse la main peut-être, Méliche, parce que moi, c'est un petit peu languet. Écoute, un sentinelle qui va être mis à mal. Hein, Non, quoique non. Je vais avoir Yo-Yo qui va se faire un petit 1v2. Allez, le 1v2, Yo-Yo. Allez, GG. Peut-être le deuxième sur full coffre. Ouais, malheureusement, non, on sera trouvé. Alors, du coup, je peux prendre peut-être une vue d'un peu plus loin. Ça sera plus simple. Avec Talion qui est en train de préparer une greuge. Je vois que c'est en train de prendre une réa. C'est fait. Côté Burger King. Quiz. Burger King. Mais tu sais que je suis obligé de me reprendre à chaque fois parce que j'ai là, j'ai envie de dire Burger King. En vrai, on n'a pas mangé avec les conneries du téléphone que ça n'aimait pas. J'ai la dalle. J'ai trop faim aussi. Voilà, voilà. Et du coup, un sentinelle qui est toujours mis à mal. Hein. Akilia qui vient de tomber et qui vient d'être confirmé directement. Et t'arrêtes de me piquer mes répliques ? Oui. Bon, il y a encore du taf. Hein. Ils sont encore trois côté Burger Quiz. Unix qui a pris de la hauteur aussi hein, à gauche. Et des grenades qui ne connectent pas. Le problème, c'est que maintenant, ça peut temporiser un petit moment. Hein. Je connais pas One Piece. One Piece ? One Piece ? One Piece ? C'est un manga. Ah, désolé. Alors, si tu... C'est pas que tu connais pas, c'est que normalement, on en avait parlé déjà dans un ancien stream et il t'avait conseillé de regarder ça, sauf que c'est en plein d'épisodes. Ah oui, c'était Et Ronan qui a dit non, c'est dans Naruto. Mettez-vous d'accord. Hein. Allez, ouais, du coup, t'as temporisé à fond. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Eh ben, je lui montre la tour. Ah ouais, en plus, tu fais une belle vue et tout. Vas-y, balance. Alors, voilà la tour. C'est qui demandait ? C'est qui déjà qui demandait ? Ouh, l'ascenseur ah bah, voilà. Se trouve ici. Harley Quinn. L'ascenseur se trouve là. Et tu vois, je vais te montrer. Donc si tu vois sur la carte où on est, sur la minimap, le sud-ouest de la zone, et tu arrives dans la petite tour. Ouais, je me dépêche. Et tu peux prendre l'ascenseur. Voilà. Et du coup, nous, on ne peut pas appuyer sur le bouton parce qu'on n'est pas en jeu. C'est ça. C'est ça. Nous, on ne peut pas. Allez, je vais aller oup, là. Je vais aller voir côté Caredas. Je crois qu'il y a un petit peu de fight, hein, c'est ça écoute, de mon côté, encore, ça tirait, hein, côté 16. Ah, côté 16, on me dit dans l'oreillette. Oui. Ah bah, je suis tombé, oui, sur Sentinel, hein, qui a trouvé... Ouais, ouais, j'étais qu'avait trouvé Alex tout à l'heure. Mais j'entends tirer, donc... Il y a du temps à charger, hein. C'est honteux, Juju. Qu'est-ce qui est honteux ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, t'es honteux à toi tout seul, de toute manière. Pourquoi je suis honteux ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est comme dans... Non, comme dans... Ah, bah ouais, mais non, mais je sais pas, One Piece... Non, je pense pas que ça soit pour ça, encore. Je sais pas. Mais Maillard, tout ce que tu dis, c'est honteux. C'est quoi cette vue ? C'est honteux. C'est quoi cette vue ? Alors, ben merci. Voilà. Eh, merci pour le follow, Gobo. E-sport. C'est vrai, bien qu'on t'appelle Caredas, toi ? Bah ouais. Ouais, en fait. Pardon. Gobo. Oh là là, j'ai faim. Sommeil aussi, hein. J'ai pas pris mes cachets. Ah oui. J'ai pas pris mes gouttes. Ah, Sentinel qui se décide à descendre un petit peu. Ce serait bien quand même si, si Mix il pouvait prendre une petite cover là. Ah, Gobo, il a follow juste pour écrire que c'est One Piece. Non. Il faut follow pour écrire ? Non, t'as pas besoin. Bah voilà. Alors, il a pas fait que pour ça. En tout cas, merci. GG, le Street View. Ah, t'as vu, hein, on s'est appliqué quand même sur le Street View.
Et malheureusement, Onyx qui vient d'être trouvé, donc on sera tout seul hein, côté Sentinelle. Oh, c'est dommage, du côté de la Burger King Quiz. Oh, tu vois. Côté de la Burger Quiz. Non, mais voilà, quand je te dis que t'as aucune personnalité, que tu me piques toutes mes répliques. Mais non, mais ça fait plusieurs fois. Avant, c'était la barbecue. J'avais dit la barbecue une fois. À la place de quoi ? La Burger Quiz. Ah. Je voyais BQ, alors j'étais sur barbecue. Bon, allez, les gens, là, faut y aller. Faut y aller. Ça y est, c'est le début de la fin. C'est l'assaut. Et ce sera terminé. Il nous quitte en 13e position. Oh, ça met trop longtemps à charger, là. Et du coup, je suis sur la Royal Academy, hein, qui est face à la Infinity. Allez, Likabay, hein, qui vient de trouver un player. Il s'est fait mal. Attention, c'est le push du deuxième. Il s'est fait mal. Ah oui, c'est fait mal. Il s'est tordu la cheville. Et Osiris qui arrive droit dessus. Il a raté le knock de ouf de la part de Smoker. Dommage. Ne m'énerve pas. Allez, allez, charge, charge. Ah ouais, charge. Ça met longtemps à charger. Hein, ce charge, soir, petit hein. Père. C'est vrai. C'est à cause du host. Tu n'as pas forcé Amélie à regarder Man Place Syndrome. Non, mais en vrai, s'il y a quelqu'un qui doit le forcer à regarder quelque chose ici, c'est moi. C'est lui qui ne regarde rien. C'est pas que je regarde rien. C'est qu'à partir du moment où c'est nul, j'arrête. Ouais. Alors, tu sais, du coup, tu commences une série, tu vois, tu regardes une saison, deux saisons, alors qu'il y en a six, c'est pas un... et après, il dit non, je veux plus regarder. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, hein. Vas-y, enlève-moi, va vu. Du coup, on vient de perdre l'Affinity face à la Royal Academy. Je me suis trompé. Je suis perdu. Je vais plus lui laisser les boutons de la soirée. Bon, allez, on va aller voir sur notre caipinette, là, nos petites caipinettes qui se sont arrêtées juste sur la Sugar Crayfish. C'est peut-être pas le meilleur endroit, là. Mais du coup, hein, la zone qui sera North Shelter, Sun Mansion. C'est Burger Queen ou Quiz ? Quiz. Quiz. Quiz, Burger Quiz. C'est un peu, ouais. C'est un peu comme ça vient, j'ai l'impression, des fois. C'est souvent ta fatigue, en fait. Ah ouais. La langue qui fourche, des envies dans ta tête de sandwich de burger. Oh là 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 là, le clash entre la Golden Phoenix et la Sugar Crayfish. On a réussi à prendre un petit peu de hauteur hein, côté Sugar Crayfish. Il va rester Nico, hein, Nico qui va être tout seul. Parce que je vois que Limo est un petit peu derrière. Et malheureusement, toute l'équipe là qui arrive pour push. La Sugar Crayfish, oh, ça peut être très intéressant, c'est de la part de Nico. Je sais pas trop où mettre parce que je sens qu'il y a de l'action un petit peu de partout. Non, il n'y a que là. Il n'y a que là ? Oui. Ok. Donc reste là, t'es bien. On en profite pour back un petit peu hein, pour Nico. Ouais. Temporiser un petit peu le temps de peut-être de se remettre des soins, ce serait intéressant ça. Recharge sa MG. Et côté Golden Phoenix, on a au moins réussi à prendre le bâtiment. Donc là, on est côté ouest. Hein. Entre les verts et les Bordeaux, j'ai envie de dire. Hein non, mais du coup, personne en zone, hein, par la Carédas qui est en bordure. Il va falloir avancer dans tout ça. On touche ça. Un touche, oui, exactement. Alors, c'est Burger Quiz, mais c'est Blink Queen de la Carédas. C'était peut-être ça, le... Et moi, j'avais dit Burger King. Oui, et toi, t'avais dit Burger King. Et moi, je dis barbecue, des fois. Donc, ouais. Non, je crois que tu confonds barbecue. Ça me dit quelque chose, et c'était une autre team avec un nom qui ressemblait beaucoup. Ah bon ? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'était la, non, c'était non, la non. Burger Quiz. Hein. Non, non, non. Bon, en tout cas, on s'en va côté Golden Phoenix. Ça passera pas, malheureusement. Ouais, Antares qui va tomber. Tito qui ne devrait pas tarder non plus, peut-être, à tomber parce que la rota est un petit peu tardive. Hein. Et ça passe aussi, je crois, pour Rico. C'est bon.
tout le monde est passé. Je te relaisse la main, Mélish. Ah, du coup, je suis sur Tengis, hein, de la team classique qui essaie de prendre de l'info et qui a vu qu'il y avait du monde, hein, la petite Nesport, en l'occurrence, qui allait devoir avancer. Je suis sur la même équipe, hein, je suis sur Coxa. Coxa qui est tout seul face à la Golden Phoenix en bas à droite. J'ai presque envie de prendre une vidéo parce que je vois que ça fait du dégât aussi côté... Allez, on va rester quand même un petit peu sur Coxa puisque voilà, il tire la pause un petit peu tout seul. Et je vais tâtaler comme sur la Golden Phoenix parce que... Ouais, c'est ça, on passe juste à côté. Oh, on n'a pas réussi à l'avoir. On n'a pas du tout réussi à avoir à Silent. Oh, ça devient un bordel. GG, c'est de la part de Silent. Silent qui vient trouver un player de la Royal Academy. Elle est du coup pas dans une, elle fait mal. Je sais plus où donner de la tête. Et pourtant, c'est pour ça que je suis parti en hauteur, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde à proximité. Et je crois qu'on a perdu la Poutine. La Poutine nous a quittés en 9ème position. Je sais pas, j'ai pas compris. Le Smoker qui est en train d'arriver sur la team 6. Là. Mais que la team classique. Avec Tengis. Oh, c'est quoi ce bordel? En même temps, 8 équipes, c'est la zone 6. Camille qui fait une entrée aussi. Vous connaissez la Scintillova? Personnellement, ça ne me dit rien. Non, pas du tout, ouais. C'est des Français, c'est des... Vu le nom, on dirait pas, mais... Allez, 8 équipes, hein, 18 players en vie. J'ai pas tout le monde. Hein. Je vois qu'il y a Trafalgar qui est en train d'arriver sur Camille de la DKS, ouais. Hein, à droite. Ah ouais. On a été repéré. Oh là là, la grenade qui était magnifiquement bien placée par Camille. Et Camille qui va être éclataxe malheureusement par Predator. Allez, on a vu apparaître la carré d'assaut au loin et la ultimate. Une limited, pardon. Je raconte des bêtises. Predator qui vient de tomber, hein, côté mercenari. Oh, ça tombe aussi côté Sugar. C'est compliqué, hein, ces entrées en zone là. KP hein, qui est en 1 contre 1, j'ai l'impression. Ah, et KP qui vient de se faire trouver. Et on va jouer la Illstrat, hein, côté Golden Phoenix. De se rapprocher un petit peu. Devrait passer. Et côté Sugar aussi, c'est bon, on peut prendre l'arrêt, hein, je crois, sur le layer down pour CN1. Moi, j'ai envie de me mettre sur Trafalgar. Ouais, Trafalgar qui est seul, toujours hein. Vivant. Face à la team classique. Mais ouais, on peut pas viser plus haut. Quand on est vraiment en bas de colline comme ça, ça passe pas. Ça ne passe pas. Et... Ouais, il restera 3 solo 1 sur 5 équipes. Ça sera un 1 contre 1 contre 1 contre 2 contre 2. C'était très pertinent hein, comme commentaire. Ah, voilà. Et du coup, avantage hein, pour la team classique et la Sugar. Gros avantage pour la team classique parce qu'on a quand même la hauteur. Ouais, Golden Phoenix, il va falloir s'avancer. Ça, par contre, c'est moins bien. Ah, il va pas le tenter, je crois. Tengis qui prend du feu. Il va reprendre son véhicule pour s'avancer. Oh là là, en plus, on lui laisse la place. Élimination de la Team 13, Unlimited. Et la Team Classique aussi à son tour. Ce sera peut-être un Phoenix contre Rico. Allez, il reste encore un joueur de la Golden Phoenix. Sugar. Oh, ça va être un contre 1. Ce sera un contre 1. Allez. Plus Golden Phoenix qui est derrière. Qui est en train de l'extra, ouais. Oh, GG, ça de la Phoenix. Part de Phoenix. Phoenix, et bah finalement, ce sera le top 1 probablement de la Caridas, puisque. Non, je ne crois pas que là, ça va le faire pour Rico. Il lui reste une trousse, c'est la dernière. Ouais. Donc
Donc ce sera... En tout cas, c'est bien joué de sa part parce qu'il a récolté, enfin, il aurait été chercher le top 2. On va tenter les pansements quand même. Et c'est une team gabonaise. Et non, du coup, ça nous dit rien du tout. Hein. Écoute, invite Play à rejoindre le Discord et participer au scrim de la CA. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Sentilova, on fera attention. On fera attention à la Sentilova. Bon, en tout cas, GG à la Caritas. Oh, ils étaient partis à 3 en plus. Ouais, ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, ouais. On est partis à 3 et GG, hein. 7 kills, on arrache le top 1. Voilà, c'est quoi, ils partent sans c'est vous, ça. Ça va tout de suite mieux. Et ils parlent moins, à cause moins. Bah, ils entendent ce qui se passe. Ils entendent les tirs, les bruits de balles et tout, quoi. Non, c'est pour rire, bien sûr. Hein. Ils savent qu'on les aime tous. C'est notre chouchou. C'est tous nos chouchous. Kaipi, à part Kaipi, il est trop vieux. Ouais, pour Kaipi, il est trop vieux. C'est notre vétéran préféré. Puis il a toutes ses caipettes. Ouais, mais j'ai dit tout à l'heure que j'en étais une aussi, du coup. Ah oui, c'est vrai. Alors voilà. Et du coup, on va attendre. D'ailleurs, on va en profiter pour remercier notre host de ce soir, hein, Hypnos. On va attendre les résultats finaux, du coup. C'est lui qui fait tout, qui est host, qui rentre les résultats. Du coup, on le remercie énormément. On remercie aussi hein, Phoenix hein, qui sera le host demain et Prana le host de samedi. On n'oublie personne. Oui, n'oubliez pas les registrations demain pour les scrims du jeudi. Demain à partir de midi. Hein. Eh oui. Et j'en étais où? Bah, du coup, t'as pas présenté les résultats. J'en étais au deuxième. GG à la Golden Phoenix. Et oui, GG à tous, Tengis, merci. GG à la Golden Phoenix pour le top 2 avec 5 kills. Et en troisième position, on va avoir la Sugar Crayfish. Du côté des meilleurs players, eh bien, ce sera Phoenix qui sera au taquet. Hein. MVP de la game avec 5 kills. Et le fidèle compagnon, eh bien, ce sera Anthrax avec 2 réanimations. Mais n'attendons plus, allons voir tout de suite le ranking total de ce soir. Eh bien, c'est un top 1 de la Royal Academy. Avec 0 chicken dinner. Incroyable. 0 chicken dinner. 61 points. Et merci pour le follow, Bernadetti. Merci beaucoup. Thank you for following. Donc, le top 1 de la Royal Academy avec 34 points de placement, 27 points de kill. Et ils n'ont pas démérité hein, quand même. Ils ont envoyé cher hein, sur les kills. En deuxième position, c'est la Cineria de Andres. Avec un chicken dinner et 50 points de classement. Et enfin, troisième position, eh bien on va avoir la Sugar Crayfish. Nouvelle team, hein, je le répète. Nouvelle team dans nos scrims. Et donc, qui nous arrache un top 3 avec 45 points, 25 points de placement et 20 points de kill. En quatrième position, la Onyx eSports. C'est ça, la Onyx eSports avec 37 points ex-aequo avec la team classique de Tengis qu'on salue évidemment dans le chat hein, et sur le Discord aussi de la Caredas. En sixième position, la Poutine eSports avec 36 points, suivi de la Golden Phoenix avec 34 points. En huitième position, la Caredas et le top 1 de Phoenix qui arrache la huitième place avec 28 points. En neuvième et dixième, ah non, pas ex-aequo. 27 points, on a la Unlimited, c'est ça, Unlimited. En 10e et 11e, c'est ça, ex-aequo. La Infinity et la Burger Quiz avec 22 points. En 12e, la DKS, et oui, Ronan. Quand tu n'es pas avec la DKS, 20 points. En 13e position, on a la SO avec 16 points, suivi de la True Terror avec 15 points. En 15e, la Dash avec 14 points. La 16e position et pour la PBZ Runner avec 10 points. 17e position, la Maziaka avec 9 points. La Mercenaries en 18e position avec 7 points. Et enfin, la Extra Esport en 19e position avec 4 points. Ce qui conclut la soirée de ce soir, du coup. Quoi ? Oui, vous bah trouverez ouais. Les études. Non mais du coup on vous dit on vous rappelle hein, demain jeudi et samedi hein, pour les scrims de la Caredas et nous on vous retrouvera dimanche à 20h30
en live pour les custom vaginettes. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée. On va les manger. On vous remercie d'avoir passé du temps avec nous ce soir. On espère vous retrouver du coup nombreux dimanche. Eh oui, c'est ça. Et donc, bonne soirée à tous. Hein. N'oubliez pas les règles. Pour le tournoi aussi. Pour ouais. Le tournoi. De la Caradas. Ceux qui nous rejoignent à la fin. Allez, du coup, bonne soirée. Des bisous, à bientôt. À dimanche. Salut, salut. Ciao tout le monde.